a un potentiel retard sur eBay, donc ça va être important de faire le point, faire le maximum de points possible tout simplement, alors que les joueurs vont effectuer leur rentrée sur la pelouse. C'est le moment parfait pour faire les compositions de l'équipe. Je vais commencer avec l'équipe visiteuse, donc le FC Zurich qui se présente sur le papier avec un 4-2-3-1, avec dans les cages Yannick Brecher, une charnière centrale formée de Krietziou et Katic. Sur le côté gauche, on aura Dante, sur le côté droit, Cambéry. Les deux milieux au-dessus de la défense seront Mathieu Ufaneye et ainsi que Kondé. Trois milieux en soutien de Mascherano qui prendra à la pointe. Et les trois milieux sont Okita, Krasniqi et Borania Sevic. Je vais te laisser faire la composition de l'équipe à domicile, le Servette FC. Et donc c'est parti pour notre composition, la composition du Servette FC avec dans les cages Joël Mal. Une défense plutôt classique avec Masiku Tsunemoto sur les côtés et la charnière avec Steve Brouillet. Et cette fois, Séverin qui a été choisi plutôt que Dylan Brown. Un milieu de terrain composé de Antunes, Ondoa, Konya et Stepanovic. Et une attaque avec Krivili et Gimeno devant. C'est donc un 4-4-2 choisi par René Weiler. Oui, en effet, et j'ai pas mentionné l'entraîneur du FC Zurich qui est Murat Ural et non Murat Yakin évidemment. Et si on veut être complet, on peut faire le tour au niveau des arbitres. Et je viens de le découvrir, on a un nom assez spécial pour l'arbitre principal. Je vais commencer par les assistants. Donc les assistants seront Stéphane De Almeida, Bekim Zegage ainsi que Ajrim Kovanage. Et l'arbitre principal de cette partie est Anoyon. Je m'excuse dorénavant potentiellement pour la prononciation qui risque d'être compliquée. Anoyon. Kanga ni Sigmam, si je n'ai pas fait d'erreur, ce sera donc les arbitres de cette rencontre qui va être sur le point de débuter. Les deux équipes se sont saluées avant le début de cette rencontre. Les Servettiens qui vont attaquer comme à l'accoutumée de gauche à droite, et la deuxième mi-temps sera donc attaquée du côté de la section Grenat qui, on l'espère, va faire son retour au complet assez rapidement dans cette tribune nord qui paraît bien évidemment plus vide que d'habitude. C'est le FC Zurich qui va lancer les hostilités avec Okita qui est actuellement au point d'engagement. Les Zurichois sont presque placés. Joël Mal arrive dans ses cages. Oui. Et le coup d'envoi devrait être donné incessamment sous peu. Ouais, à noter le retour sur la feuille de match de Derek Koutessa, lui qui avait été absent lors du match mercredi. Apparemment malade, d'après les dernières infos qu'on a pu avoir. Il est de retour sur le banc et fera peut-être son entrée en cours de match. Le coup d'envoi qui va être donné, comme tu l'as dit, par Okita. Okita, allez, attention, on connaît sa qualité, on sait que c'est un joueur qui plante des buts. Lui qui était longuement en tête de classement avec notre cher Chris Bedia, qui a rejoint l'Union Berlin. Alors, c'est le coup d'envoi, il a été donné et c'est Zurich qui commence avec un long ballon devant, directement dans la surface, qui sort en touche. Joël Mal va pouvoir toucher son premier ballon sur ce 6 mètres. Ça va être compliqué pour le FC Zurich s'il décide de jouer long, parce que c'est pas l'attaquant le plus grand en termes de taille et au gabarit le plus imposant, Antonio Mascherano. Et ce sera donc un 6 mètres pour Joël Mal qui prend soin de bien placer son ballon. Ça va être une relance qui va être longue. La plupart des joueurs sont sur le côté gauche du terrain. Et c'est là où le ballon est dégagé. Oui, à noter une ambiance vraiment particulière avec la section de Grenat qui n'est toujours pas revenue dans ses tribunes. Ouais. C'est spécial, il n'y a pas tant de bruit que ça. On les Zurichois ne font pas de bruit. Effectivement, à mon avis, il y a un mot qui s'est passé en tout cas pour les premières minutes. Peut-être les Zurichois, c'est plus compliqué pour eux de tous se rabattre dans la tribune. À noter que les Zurichois ont pris la tribune sud. Le secteur visiteur est peu garni, mais le secteur juste à côté est bien rempli. Je pense qu'en effet il y a un mot qui s'est donné parce que on peut... bon, en tout cas du côté de Zurich il vient de me contredire, en effet c'est bien parti côté zurichois, mais je pense ça risque potentiellement de faire sortir la section de Grenat. Ils sont sifflés, les supporters zurichois. Alors moi en tout cas, comment je décrirais, c'est qu'il y a dû avoir un mot qui s'est passé, ou je pense hypothétiquement, on va dire pendant les 5 premières minutes on chante pas quoi que ce soit, et en tout cas Zurich a commencé, donc c'est peut-être pour ça que la tribune nord siffle. C'est assez spécial parce que là on dirait que c'est un match à l'extérieur avec complètement un monopole zurichois. On va se concentrer sur le jeu, ça peut être potentiellement intéressant. Un long ballon à destination Krivili de la part de Rouillet, c'est dégagé par les Zurichois, ça arrive dans la tête de Timothée Konya et c'est dégagé
par les Zurichois. Ça arrivera jusque dans les pieds de Mal. Attention, attention avec un bon pressing. Ouais, Mal qui ne prend pas de risque, qui met directement le ballon en touche. La touche sera zurichoise. Avec une touche qui va pouvoir être effectuée dans la partie terrain servétienne pour Zurich. Il cherche ses partenaires et ça part en retrait ce ballon avec la défense du FCZ qui va chercher à débloquer une situation, à faire tourner. Faire attention, on l'a vu lors du dernier match sur les transitions rapides, les Servetiens qui se sont fait prendre plusieurs fois, qui ont pris des buts en contre-attaque. Oui, avec des longues transitions. Ça a été très vite du côté du Servetien. Ah, c'est vrai que c'était vraiment deux contre-attaques école en tout cas dans l'exécution qui était parfaite avec en plus un peu crève-cœur toujours quand c'est un joueur qui est formé au club qui a marqué en la présence d'Aidini. Après le deuxième but est vraiment un peu sorti de nulle part, on sentait un Servette qui voulait faire la différence mais ils se sont fait surprendre et c'est le stade de Zanouchi qui a remporté cette partie. Mais on va se concentrer sur la partie d'aujourd'hui qui devrait être, on l'espère, avec une issue totalement différente. Oui, Servette qui pourrait revenir donc à un point de son adversaire IB. Ouais, et il y a surtout la possibilité, maintenant il faut un peu regarder derrière également, mais prendre à nouveau un petit coussin plus confortable avec 4 points d'avance sur Lugano, étant donné le match nul qu'ils ont fait sur le score de 2 partout juste avant cette rencontre face au FC Winterthur, une des équipes en forme vraiment sur cette année 2024. C'est clair, déjà ils avaient fait une saison plutôt correcte l'année dernière. Winterthur qu'on va retrouver en Coupe de Suisse, il me semble que c'est le 30 avril si je ne me trompe pas. Oui, possible, le 30 mais... ou le 29, on va vérifier. Alors attention parce qu'on a une attaque, le premier frappe la part de Joël Mal, attention le rebond, très bien joué de la part de Timothée Cognac qui a pris le rebond et qui l'a remis de la poitrine à son portier Joël Mal avec une grande sérénité. Et je me permets de te couper, mais on a le parquage zurichois qui se vide lui aussi. C'est pas spécial de le faire à ce moment-là. Ouais, c'est un peu spécial comme masque qu'on est en train de vivre là. Avec. Alors j'ai oublié son nom, le gardien zurichois qui va pouvoir s'emparer de ce ballon et jouer avec sa défense. Mais ouais, on a une ambiance un peu particulière avec complètement. Bah là, on a la totalité des supporters zurichois qui s'en vont. Oui. Là c'est les autres tribunes, les tribunes latérales, j'ai l'impression. Ouais, on est d'accord parce qu'on a quand même du bruit. Oui, ouais. On va se concentrer sur le jeu avec un ballon pour les Zurichois avec Camberi qui va transmettre à Katic. Katic, ça ira jusqu'à Kriedziu. Ça va bien allonger mais ça manquera de précision. C'était à destination de Borinasevic. Et finalement, le ballon sera Grenat avec une remise en jeu sur le côté gauche qui va être effectuée par Bradley Mazikou. Non, c'est vrai qu'en termes d'ambiance, c'est très spécial. Hein. Ça sonne un peu creux. Très longtemps. Ça sonne un peu creux, mais c'est spécial parce que ça sonne creux, mais il y a quand même du bruit. C'est pas similaire à ce qu'on a eu pendant le Covid, par exemple. Et là, on va dégager du côté servetien avec Steve Rouillet à destination Crivelli. Le deuxième ballon est pour Stevanovic. Stevanovic avec Alexis Antounès. Antounès, il a un peu d'espace là sur le côté gauche, il va provoquer Antounès et malheureusement c'est récupéré côté zurichois. On va directement allonger à destination de Mascherano. Ouais, et attention, non, il est dépassé par Séverin. Ouais, c'est bien joué de la part de Séverin qui a profité de son avantage de gabarit pour protéger le ballon dans un premier temps et finalement repartir dans l'autre sens. Avec un long dégagement de la part de Zurich. Le ballon qui reste en l'air et ça y est, il est reposé au sol avec attention une offensive zurichoise. Ça rentre dans la surface pour le FC Zurich. Le centre à ras de sol, mais dans les pieds de Steve Rouillet qui va pouvoir repousser ce ballon. Et attention, là, va falloir se dégager parce que ouais, s'ils reprennent le ballon aussi haut les zurichois, ça peut être dangereux avec Joël Mal qui va le faire. Un long dégagement dans le rond central pour Enzo Crivelli qui rate ce ballon et ça revient au gardien adverse. C'est Brecher qui va dégager les siens sans trop se poser de questions. Ça arrive directement sur lui, mais le deuxième ballon est encore une fois zurichois avec, ouais, attention, Okita. Alors il est 16 mètres Okita qui va lancer dans la profondeur, mais ça manque de précision. Ouais, Stefanovic avec un bon retour, bon repli défensif qui permet à ce ballon de sortir et de tenir un 6 mètres. C'est bien joué. 6 mètres à venir pour Joël Mal, le gardien chypriote du Servette FC qui va pouvoir dégager ce ballon. Avec toujours des tribunes vides.
Ouais, là, ça se vide. Là, les Zurichois ont complètement quitté leur parquage. On a vraiment plus personne. Ouais, les derniers qui sont en train de partir. Complètement les banderoles également. C'est très spécial. Je sais pas combien de temps ça va durer. J'ai pas suivi les rencontres précédentes. À mon avis, c'était ça sur toutes les pelouses en Suisse. Ok, donc tu sais pourquoi? Non, à mon avis, c'est les sanctions collectives, parce que c'est de ça qu'on entend le plus parler depuis maintenant de très nombreuses semaines. Uh-huh. En gros, pour faire le point assez rapidement, c'est quand il y a des sanctions qui sont prises et qui visent à toute une tribune, quand un certain nombre d'individus causent des problèmes, et c'est ça que... Ouais, après ça, malheureusement, c'est partout un peu pareil, parce qu'on a la Beaujoire à Nantes qui va être vide ce week-end, hein, sanctions collectives également, mais cette fois pour tout le stade, hein, pour ce match de Ligue 1. Mais c'est spécial, c'est assez spécial. Ouais. Et avec pour l'instant Mazikou qui a le ballon, Mazikou qui passe son adversaire. Et on a quand même une bonne ambiance de la part des tribunes latérales, hein. C'est assez sympa. C'est plus de l'enfant, Stevanovic avec Tsunemoto dans les 16 mètres, ça peut être intéressant. Tsunemoto, et ce sera le premier corner de la partie. Il sera donc servétien sur le côté gauche des cages zurichoises défendues par Yannick Brecher. Et ça va être botté par Miroslav Stevanovic en l'absence de Ben Negusbola qui est maintenant le tireur attitré pour les corners, sans trop de succès récemment, il faut l'admettre. On espère que l'issue sera différente avec l'international bosnien pour botter ce corner. Avec son pied droit, ce sera un corner sortant Stevanovic et ce sera une tête finalement zurichoise, ça se dégage mais ça revient sur le bosnien Stevanovic et c'est dégagé par Dante Soferer. Ça arrivera jusqu'à Timothée Konya qui devrait remettre derrière lui sans prendre trop de risques, sauf erreur. Ouais, avec Mazikou qui est proche du rond central là, qui récupère ce ballon. Et qui va pouvoir allonger jusqu'à Joël Mal. Joël Mal pour Tsunemoto. Tsunemoto qui fait son retour aujourd'hui dans l'effectif Grenat, dans le 11 titulaire, avec Steve Rouillet pour Séverin. Séverin dans le rond central, Mazikou. Mazikou qui lance un long ballon, qui arrive dans la surface, c'est récupéré, le centre et ça passe à côté, ça trouve personne, la frappe de Stefanovic dans les gants du gardien adverse, première occasion pour les Grenats. La première occasion et première alerte, c'était à la base c'était Ondoua qui avait lancé Antunes assez... Il a vraiment bien lancé dans la course, après le centre d'Antunes, il y avait Guimeneau, on avait l'impression qu'il était tout juste trop court pour reprendre. Et dans un deuxième rideau, tu as eu un tir centre de Stevanovic et Krivelli qui a pas réussi à reprendre, mais on était en effet, je pense, à quelques centimètres de l'ouverture du score servétienne. Ouais, et je me permets encore une fois de parler des tribunes, mais il y a quand même une, entre parenthèses, bonne ambiance mise par les tribunes latérales. C'est dommage que ça soit pas de même avec la section Grenat où tout le stade se met à chanter. Ça pourrait donner vraiment quelque chose de sympa. Avec Joël Mal qui joue avec Steve Rouillet. Steve Rouillet encore une fois pour Joël Mal et pour Tsunemoto. Tsunemoto pour Stefanovic, il rate sa passe, ça sort en touche dans la moitié de terrain Grenat. Zurich qui va pouvoir remettre ce ballon en jeu. Et c'est chose faite. Dante qui va jouer avec Okita. Attention, là, ça rentre dans la surface. La frappe, Mal qui ne touche pas ce ballon, mais ça passe à côté. Hors-jeu, c'était vraiment très flagrant. Je comprends pas pourquoi on les siffle pas plutôt les hors-jeux quand ils sont. On laisse finir, finir l'action, ouais. Il y avait quand même en tout cas 2 mètres minimum d'hors-jeu selon moi. Donc, je veux bien qu'on laisse l'action quand l'arbitre assistant n'est pas certain, mais là il y a quand même certaines certitudes à avoir quand on est arbitre professionnel. Quand même, je suppose, mais les règles sont faites comme ça malheureusement et c'est assez frustrant. On a eu 2 buts en hors-jeu qui ont été refusés comme ça de la part des Servettiens mercredi. On aurait préféré que le hors-jeu soit directement sifflé. Oui, avec Zurich qui reprend possession du ballon au milieu de terrain dans le rond central. Et on voit vraiment 2 blocs très compacts là, les deux équipes qui sont peu écartées. Le ballon est récupéré, il y a une première surface, mais ça sera un corner, un coup franc pardon. Coup franc proche en plein axe, proche de la surface de réparation pour les Zurichois. En effet, c'est Krasniqi qui a subi la faute. C'est un coup franc qui est quand même assez intéressant en termes de distance. Il m'a l'air potentiellement un peu trop centré. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, la possibilité de faire quand même quelque chose d'assez intéressant. Je sais pas qui c'est qui va se charger côté zurichois de la tâche. Je vois bien potentiellement Mascherano. On va voir ça d'ici peu de temps. Bah, vraiment, tous les zurichois ont vraiment quitté le parquage. C'est assez impressionnant. Il n'y en a pas un seul. Ouais, puis on a un gros trou dans la tribune nord, quoi. C'est très spécial.
On va voir pendant combien de temps ça va durer. Ça fait quand même déjà 12 minutes. On est entré dans la deuxième minute de jeu. Toujours rien. Peut-être éventuellement le premier quart d'heure. Ça aurait été intéressant si l'un de nous avait suivi des rencontres au préalable de cette journée, puisqu'à mon avis, ça va être le cas. On voit Tsunemoto qui se couche pour ce coup franc derrière son mur. Ce sera beaucoup de joueurs zurichois du côté du ballon. Et c'est Okita qui s'en charge. Et c'est par Joël Mal, heureusement, puisque c'était cadré. Hein. Ouais, belle frappe. Arrêtée par Joël Mal. Une belle claquette, en effet, quand tu l'as mentionné. Le ballon est descendu assez rapidement parce qu'a priori ça n'avait pas l'air spécialement dangereux, mais finalement Joël Mal a dû se déployer de tout son long pour empêcher ce ballon de franchir la cage servetienne. Ouais, et ça va être un corner botté par Dante. Dante sifflé par tout le stade sur ce corner. Et c'est frappé. En plein milieu de la surface, proche du rond central, les Zurichois qui réclament une main, mais c'est finalement Mal qui s'empare de ce ballon. Ça va être très difficile à mon avis de voir s'il y a une main, mais de toute façon c'est habituel que les équipes réclament dès qu'on est un peu proche, mais là il y a un ballon perdu de Mazikou qui arrive sur Mascherano par la suite. Mascherano qui arrive à décaler sur le côté droit de l'offensive zurichoise. Ça va être Krasniqi avec Mascherano à nouveau, mais ça manque de précision et c'est récupéré par Gaël Ondoua. Allez, ballon pour Timothée Cogna. Il y a l'opportunité de faire une contre-attaque assez intéressante, mais j'ai l'impression que Cogna a fait le mauvais choix quand même. Il y avait c'était Guimeno, ce ferreur, qui demandait le ballon, qui avait l'air mieux placé quand même que Kenzo Crivelli, oui, en plein accès, qui était déjà pris, hein, effectivement. Et on a une question dans le chat pour par rapport aux deux copes qui sont partis. On pense que c'est par rapport pour protester contre les sanctions collectives. On n'a pas d'infos officielles là-dessus, mais on imagine que c'est pour ça. Avec la défense zurichoise qui va pouvoir complètement se dégager au final, changer de côté. Et essayer de conserver ce ballon parce qu'il y a un gros pressing là de la part des Servetiens. Ça a failli être récupéré, c'est dommage. Et ça sort en 6 mètres. Avec le gardien qui va pouvoir donc se dégager. En effet, on va voir si les Zurichois maintenant vont-ils essayer de jouer court. A priori, ça m'a l'air d'être le cas quand même avec deux défenseurs présents dans les 16 mètres Zurichois. Ça va être Kriezu qui va jouer avec Yannick Brecher. Brecher qui va trouver Mathieu pour Kriezu à nouveau qui dégage et ça arrive quand même sur Krasniqi qui a le temps de contrôler et remettre à Condé. Mascherano pour Cambéry. On va arriver sur une phase de possession zurichoise maintenant avec Condé qui essaye d'allonger à destination de Kita, mais c'est bien joué par Sibrouillé. Le deuxième ballon et finalement Servetien avec Galondoua. Il y aura une faute sur le milieu de terrain camerounais. Un coup franc Servetien dans leur partie de terrain qui est assez rapidement joué par Bradley Mazikou pour Séverin avec Steve Rouillet. On arrive sur le côté droite avec Tsunemoto. Un long ballon à destination de Crivelli, ça manque de précision et le ballon est zurichois à nouveau. Et là, ouais, il y a et on a en jeu, on l'a bien vu. Ah, bah ils arrivent quand même à lever le drapeau. Voilà, le ballon sortait donc. Ouais, en plus, mais le drapeau a été levé au moins. Ce qui est assez rare de nos jours pour être souligné, donc on va quand même le faire. Avec un ballon pour Steve Rouillet. C'est vrai que ça sonne quand même bien bien creux. C'est spécial. C'est spécial parce que c'est pas habituel. C'est pas habituel et ça sonne pas aussi creux par exemple que comme on l'a eu pendant le Covid où il y avait par exemple spectateurs et là on arrivait quand même à entendre les joueurs sur le terrain. Là on ne peut pas les entendre quand même. Je trouve qu'on a quand même une bonne animation mise par le reste des tribunes. Oui, mine de sûr. Rien. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est dommage qu'en présence de la section Grenat, il n'y ait pas tout le stade qui ait cet engouement de crier, parce que ça donnerait une ambiance quand même plus spectaculaire. C'est sûr. Mais au moins, ils font le travail quand la gêne n'est pas là. On va voir combien de temps ça va durer, mais là, ça fait quand même plus. On nous repose la question encore une fois pour les ultras qui ont quitté le stade. On pense que c'est pour protester contre les sanctions collectives. Avec Tsunemoto et Steve Rouillet à présent qui ont le ballon dans leur partie de terrain. Tsunemoto encore. Steve Rouillet encore qui arrive dans le rond central, mais qui choisit Séverin. Johan Séverin. Avec Antunes qui rejoue sur Séverin.
et qui revient dans sa surface avec Joël Mal. Les Servetiens qui font tourner pour l'instant le ballon. Et Joël Mal qui dégage le ballon en direction de Stefanovic, mais c'est une tête zurichoise et il est touché, le Bosnien. Mais pas de faute, non. J'ai pas l'impression, avec Stefanovic qui reste seul, hein, qui a été touché à la tête lors de son duel aérien. Ce sera a priori une touche. Stefanovic qui a l'air assez remonté, que rien n'a été sifflé. Le Crédu est venu le voir, peut-être Avec se sentant peut-être coupable. Une touche qui va être accordée au Servetien tout de même, avec Tsunemoto qui remet ce ballon en jeu en direction de Steve Rouillet. Steve Rouillet qui repasse par son gardien. Joël Mal qui va probablement allonger, ces choses faites. Destination de Stefanovic encore une fois au duel avec Dante cette fois-ci. Dante. Pour Konya, c'est récupéré. Konya, le 1-2 avec Rivelli, et finalement, non, le ballon est zurichois. Ouais, et attention à cette contre-attaque, c'est le ballon est récupéré. Oui, Mazikula qui récupère bien ce ballon, heureusement, avec Séverin, et c'est rendu à Gaël Ondo au milieu de terrain avec Mazikou. Mazikou qui part, le tacle sur Mazikou. Et oui, on dirait le premier carton de la partie, effectivement. C'est Boranjasevic qui va être averti. Et le carton est, selon moi, tout à fait légitime. C'est une faute assez flagrante quand même, un tacle par derrière, certes pas méchant, mais qui vient totalement arrêter une action de but pour les Servetiens. Et maintenant, le coup franc va être assez intéressant. Sur le côté gauche, il y a quand même du monde qui va se mettre dans la zone de vérité, comme on aime le dire. Finalement, Mazikou qui va jouer avec Steve Rouillet. Rouillet qui va écarter jusqu'à Stevanovic. Stevanovic, la fin de centre. Stevanovic se met sur son pied gauche. Stevanovic, le centre, ce sera pour personne, si ce n'est un zurichois. Stevanovic, ouais. C'est pas bien. Et ça arrive jusqu'à Tsunemoto. Tsunemoto, le centre au premier poteau. La déviation de Gimeno. Ce sera finalement un 5 mètres zurichois. Allez, avec Zurich qui va pouvoir se dégager en 6 mètres. Pour l'instant, 20 premières minutes de jeu et pas tellement d'équipes qui prennent le dessus hein, dans ce match. Non, pas beaucoup d'actions francs. J'ai eu la frappe d'Okita. Bah, ce soir, c'est Okita deux fois, la frappe et le coup franc qui ont été très dangereux. Côté zurichois et côté servitien, il y a eu une incursion qui aurait pu être plus dangereuse, mais malheureusement qui a manqué un peu de précision dans l'analyse est. Là, on va se concentrer sur le jeu avec un ballon intéressant pour les zurichois avec Mathieu. Mathieu pour Kondé. Kondé qui va allonger jusqu'à Boranjasevic. Boranjasevic ouais. Le centre et ce sera directement dans les pieds de Johan Séverin qui va pouvoir dégager. Antunes qui ne peut pas récupérer ce ballon. Et finalement un dégagement qui finit dans la surface et qui sort en touche pour Zurich. En fait, touche directement effectuée par Boranjasevic pour Krasniqi dans les 16 mètres. Krasniqi qui contrôle, qui essaie de contourner Ondua. Finalement, ce sera dégagé par un Servetien directement en touche. Ouais, Steve Rouillet encore là pour dégager son camp. Et la touche qui va être effectuée par Boranjasevic, le joueur averti, le seul de cette rencontre. À présent, un ballon récupéré par les Servetiens avec Gimeno pour Timothée Konya. Il y a Antunes qui est parti dans l'espace, ça peut être intéressant. Il y a Crivelli au centre. Antunes qui va provoquer. Antunes qui passe un zurichois. Antunes la frappe, elle est malheureusement contrée. Et le deuxième ballon sera pour Jonathan Okita. Avec Mascherano pour Boranjasevic. Alors là, il y a Mascherano n'est pas hors jeu, mais ah si, il était quand même. En tout cas, il y a Okita qui était parti et lui, il était vraiment en dizaine de mètres hors jeu. Ouais, ce qui va donner un coup franc pour Servette. Jouer rapidement avec Johan Séverin, jouer court. Et les Servetiens qui vont repasser par leur gardien, encore une fois. Joël Mal dans sa surface. Qui va peut-être jouer long, hein. Ouais, il va lancer Crivelli, mais ça sort et ça sera une touche pour Servette. Il a fait une touche sur le côté gauche qui va être effectuée par Bradley Mazikou pour Timothée Konya. Konya, le centre à destination de Stevanovic qui contrôle dans les 16 mètres. Le deuxième ballon était potentiellement pour Crivelli, mais c'est récupéré côté zurichois avec Camberi qui arrive à dégager les siens. Destination de Mascherano. Il y a Séverin qui est là en couverture. Séverin qui va essayer de potentiellement laisser le ballon sortir, mais il ne le peut pas, il n'y avait pas assez de vitesse. Séverin face à Mascherano et Séverin obtiendra la touche finalement
s'en est bien sorti parce qu'il était tout seul et peu de solutions. Il a réussi à trouver une solution qui ne comportait pas de risque avec cette touche qui sera donc servétienne, effectuée une fois n'est pas coutume par Bradley Mazikou qui dégage par le biais de ses bras. On doit avec Konya pour Tsunemoto. Là il y a un peu d'espace pour le japonais mais ouais, il se précipite un peu. Tsunemoto ouais, qui lance ce ballon en profondeur mais absolument personne là pour poursuivre. Et c'est donc la défense du Rikwas qui peut récupérer ce ballon sans souci, sans pressing. Et une nouvelle offensive zurichoise peut-être avec une bataille au milieu de terrain. Ballon toujours zurichois avec Krietzu pour Mathieu. Condé. Condé oui dans le rond central. Avec Cambéry pour Boran. Oh belle interception là de Mazikou et le tacle zurichois. Bah alors par contre la touche est servétienne. Selon moi le tact était certes viril de la part de Cambéry mais. Juste, à mon avis, et correct. Ouais, avec Mazikou qui a surgi là dans les pieds adverses pour récupérer ce ballon. C'était une très belle intervention. Malheureusement, ça n'a rien donné avec un tacle bien effectué derrière. Et Zurich qui repasse dans le rond central. Et qui va tenter une nouvelle offensive, encore une fois, avec un long ballon par-dessus dans la surface. C'est dans les gants de Joël Mal qui se dégage rapidement. Pour Crivelli, peut-être, s'il arrive à récupérer ce ballon, ça me semble un peu long, mais. Krivelli qui arrive à prendre un peu de vitesse et ça sort en touche, proche de la surface adverse, avec un Zurichois au sol. Apparemment. Je sais pas juste ce qui s'est passé, peut-être. Bah ouais, les soigneurs là qui rentrent sur la pelouse, il a dû se faire mal en taclant là le Zurichois, j'ai pas vu qui c'était sur Krivelli. C'était Katic, sauf erreur. Peut-être que Krivelli lui a marché dessus, je pense. Je partirais plus sur ça en termes d'options parce qu'on a vu Crivelli après s'excuser donc potentiellement de la culpabilité de la part de l'attaquant servétien. Puis se prendre un Crivelli sur la cheville ça va sentir passer quand même. Ouais voilà ça peut faire mal, ça peut se comprendre. Ouais, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez. Ouais, les préférences qui n'ont pas déjà été posées parce qu'on a quand même beaucoup de fois la même question. Ouais on a encore cette question là pour les supporters hein, qui ont quitté le stade. Les supporters des deux côtés, hein, que ce soit Zurichois ou Servetien, la section Grenat elle aussi est partie. Et donc sans avoir l'information officielle, on pense que c'est par rapport aux sanctions collectives. On le répète encore une fois, pour protester contre cela. Avec un chant dans les tribunes d'ailleurs, j'y repense, mais Liberté pour les Ultras qui a été scandé en début de match pendant de bonnes minutes. Donc c'est probable. C'est assez fou de le voir du côté zurichois quand même, parce qu'ils sont vraiment venus en nombre pour se déplacer. D'accord. On a d'autres informations qui nous viennent de la part de nos techniciens du soir, Max Berthoud. On ne sait pas si elles sont véridiques ou pas, mais il y aurait, on ne va pas encore le citer, mais il est possible que les supporters des deux équipes soient absents pendant encore en tout cas de longues minutes. C'est vrai que moi je pensais que ça allait durer allez, une dizaine de minutes, quart d'heure. Mais jusqu'à là, la 15e, me suis dit. On est quand même à la 25e minute, on va rentrer gentiment dans la 26e minute de jeu et on a toujours pas de supporters. Mais c'est vrai que c'est assez spécial ultra. Parce que les supporters étaient dans le stade avant de partir. On peut penser notamment aux supporters zurichois qui ont fait le déplacement jusqu'ici, jusqu'à chez nous. Et qui viennent dans les tribunes 10 minutes, l'entrée des joueurs, le coup d'envoi, et qui s'en vont et qui ne reviennent pas jusqu'à la fin du match. Ça paraît bizarre. Quand même. Ce serait très spécial, en tout cas ce serait une première pour moi, que ce soit en tant que supporter ou en tant que commentateur. Mais c'est clair que pour une équipe qui voyage quand même d'assez loin, on va se concentrer sur le jeu avec Antunes, la déviation de Guimeno, malheureusement ce sera pour personne, mais le ballon est dégagé par les Zurichois et récupéré par Steve Rouillet. Rouillé avec Séverin qui va allonger à destination d'Enzo Crivelli. Enzo Crivelli, non, ce sera pour Stevanovic. Stevanovic, la tête, malheureusement. Ça manque de précision et ce sera directement un dégagement ouais. De 6 mètres. Avec, je t'ai coupé le numéro 24, Nicolas Katic qui rejoint la pelouse. Hein, lui qui était sorti suite au coup reçu avec Crivelli sur son tacle. Il vient de revenir sur la pelouse. Sur quoi sont à nouveau à 11. Et c'est Krietzu qui profite de l'espace qu'il a devant lui pour dégager, pour monter
dans le terrain, il demande des solutions, il n'y en a pas beaucoup. Il est obligé de revenir avec justement Katic qui a fait son retour. Katic cherche des solutions mais c'est assez bouché, il est obligé d'allonger à destination de personne là. Ouais, ça sort en touche. Et on parle pas du défenseur de Young Boys. Alors qu'on nous demande dans le chat en espérant qu'il n'y ait pas de débordement entre les deux groupes de supporters. Ce serait vraiment le comble ça. Ça serait dommage alors. Mais c'est bon, il y a des sièges qui manquent là-bas. Ah mais il y a des sièges qui manquent, hein, c'est possible. Ouais. Non mais niveau débordement, on l'espère pas, mais c'est vrai que vu le nombre de Zurichois, on l'espère encore moins. Avec Mazikou qui a de l'espace, il arrive à remettre avec Antunes. Antunes pour Guimeno. Guimeno qui cherche une solution mais ça se referme devant lui et il n'arrive pas à transmettre le ballon et il est Zurichois maintenant avec une récupération finalement de Johan Severin. Johan Severin, oui, qui passe de joueur, Johan Severin pour Mazikou. Mazikou qui va pouvoir rentrer dans la surface, se centrer, c'est fait le centre sur la tête de Stefanovic. C'est dans les gants du gardien, mais c'était dans tous les cas. Oh, attention! Un peu compliqué. Ouais, un peu de cafouillage là. Ouais. Juste devant la ligne de but. Il y a Brecher qui a relâché son ballon. Et c'est arrivé sur un de ses défenseurs. Et du coup, il avait plus le contrôle du ballon. Et finalement, il a repris le contrôle. C'est vrai que c'est très spécial, hein. Aucun supporter, mais surtout j'ai l'impression qu'il y a des sièges qui sont manquants hein, du côté de la tribune sud quand même. Si on j'espère ils montent comme ça, on les tue. C'est vrai que ça nous manque un peu ces derbies, alors même si on a quand même un derby sympa avec le LS. Mais c'est vrai que je fais partie de ceux qui entre parenthèses, ça fait mal de le dire, mais souhaitent la remontée du F-Session pour revivre un peu ces émotions-là. Avec un ballon qui sort en 6 mètres pour Joël Mal. C'est vraiment à la limite le ballon qui a touché le poteau de corner, à l'intérieur du poteau de corner pour arriver en 6 mètres. Et un ballon maintenant dans les pieds à nouveau de Joël Mal. Il était transmis par Rouillet et Mal qui va jouer long, qui glisse, mais c'est bien joué. Oula. Ouais. Chute assez spectaculaire, je suis pas certain qu'il y ait faute hein, selon moi, mais c'était juste spectaculaire. Ouais, et là, ouais, là l'arbitre qui se précipite sur le joueur, apparemment c'est les soigneurs qui vont rentrer sur le terrain. C'était une chute assez violente. C'est Alexis Antunes qui est tombé. Ah ouais, et l'arbitre qui a couru sur le joueur. Hein. Ouais. En espérant que ça soit pas trop grave, ouais, là ses coéquipiers qui appellent les soigneurs, enfin qui leur demandent de se dépêcher. On espère que c'est rien de grave pour Antunes. Ouais, une chute dans un duel aérien pour Antunes. Ouais, les deux joueurs ont essayé, le ballon était un peu à mi-hauteur, donc ils ont essayé de jouer avec les pieds. Et c'est vrai qu'Antunes du coup est retombé d'assez haut. On va essayer de voir les images à nouveau. Je suis pas certain qu'il y ait faute parce que selon moi les deux joueurs ont essayé de jouer le ballon et c'est ce que Cambéry semblait dire, mais en tout cas la chute. Et oui, Antunes, oh là là, on le voit sur les images, Antunes presque inconscient, hein. il a été retourné par ses coéquipiers, il est tombé au sol et il était inconscient, hein. Aucun mouvement et ouais, ça paraît assez grave sur le ralenti. J'espère que c'est pas le cas. Antunes qui est toujours au sol. Derek Kuteza et Bendegus Bola sont partis à l'échauffement pour potentiellement prendre la place du joueur suisse qui a été de piqué lors du dernier rassemblement national. Et ouais mais je m'inquiète un peu là pour Alexis Antunes qui sur les images pour ceux qui ont les images et qui ont pu voir la réaction, enfin il n'y a pas eu de réaction au final d'Antunes sur sa chute, il est resté au sol limite inconscient. Aucune réaction lorsque son partenaire l'a retourné, c'est ouais. Je vais regarder les images à nouveau. Ah oui. Ah oui, ouais. Ouais, il cogne la tête, hein. Ouais, tu les as les images. Ouais. Non, en effet, regarde, quand il retombe, on voit complètement. Alors attends un petit peu. Tu vas voir le ralenti. Tu verras qu'il est presque inconscient lorsque ses partenaires vont le voir. En effet, une potentielle commotion, en tout cas peut-être suspectée assez légitimement. Il y aura beaucoup d'arrêts de jeu hein, avec la sortie de Katic avant, celle d'Antunes maintenant où ça prend beaucoup de temps. Ouais, avec à mon avis, avec le protocole commotion, dans tous les cas, Alexis Antunes va devoir céder sa place. Il n'a vraiment pas l'air bien en effet de Servetien. Ferrer, il a bougé à nouveau donc il a l'air d'être conscient, mais en tout cas, pas du tout. En présence de tous ses moyens et à mon avis la possibilité qu'il continue le match est très faible, la probabilité. On va voir comment ça va évoluer, mais une première mi-temps vraiment très spéciale hein. Du côté du stade de Genève avec pas de supporters, pas mal Genève s'est relevé. J'allais le souligner parce que le chat nous demande, mais non, les supporters ne sont pas revenus, que ce soit Zurichois ou Genevois, c'est toujours pareil. Des tribunes vides, une tribune nord et une tribune, un parcage visiteur alias tribune sud, vide lui également.
Donc quand on s'est relevé, il est sur le bord de la pelouse. On va voir. J'ai eu un peu peur en voyant ralenti. Mais il est debout, c'est bon, c'est bien. Déjà bon signe. Et c'est assez spécial, hein, parce que notamment quand on subit une commotion, parfois on peut avoir un peu de adrénaline et souhaiter retourner sur la pelouse, mais là il s'est rassis. Ouais, je pense que ça va être haute pour Alexis Antounès. En tout cas, côté Servetien, ça accélère l'échauffement. Évidemment, du côté de Bola et Kuteza, il se fait c'est Kuteza hein, qui se dirige. Ouais, on voit Kuteza là qui est rappelé par une... Avec Crivelli qui tente quelque chose. La Crivelli qui rate ce ballon, mais c'est Stefanovic qui peut le reprendre et ça sort en touche proche du poteau de corner. Ah, la touche sera malheureusement. Elle sera zurichoise, effectuée par Dante. Un long ballon zurichois pour Séran, le deuxième ballon pour Rouillé. Le troisième, même on pourrait dire, pour Ndoua. C'est assez brouillon là ce qui se passe sur la pelouse également. Il y a une faute sur Gaël Ndoua. En effet. C'est un match un peu spécial qu'on est en train de vivre. Ouais. Même aux côtés de la tribune presse, on a des. Tiens, un ballon, un coup franc qui va être effectué par Steve Rouillet. Steve Rouillet, j'ai l'impression qu'on va jouer long. Donc, il y a Alexis Antounès qui est en train de rentrer en direction des vestiaires. Il est applaudi par la tribune nord. Devant laquelle il est en train de passer. Au niveau du jeu, c'est vrai que pas grand chose à se mettre sous la dent, hein. Ça fait plus d'une demi-heure de jeu, beaucoup d'interruptions, pas de supporters, et en termes d'action, Zurich gagne au point, on va le dire comme ça. Donc on a des questions qui nous viennent sur le chat. Avec Joël Mal qui s'empare de ce ballon. Ouais. Alors que c'est, à mon avis, c'est très probable, du coup, que les Zurichois ne reviennent pas. En tout cas, côté zurichois. Oh là, Joël Mac qui joue presque à se faire. Ouais, peur, et attention, hein. Un zurichois au sol, mais il se relève vite. C'est bon. Cambéry, l'auteur de la faute sur Antounès. Crivelli, la bataille dans le central. Crivelli qui réclamait potentiellement une faute. C'est vraiment une mi-temps très, très, très spéciale sur plusieurs points. En effet, Antounès. Qui à mon avis il marche, c'est déjà bon signe, mais je suspecte potentiellement une commotion. On attend d'avoir plus de nouvelles. Ouais, et c'est Derek Kuteza qui va faire son entrée pour remplacer Alexis Antounès. Voilà, comme vous avez peut-être pu l'entendre, le speaker du stade qui vient annoncer la sortie d'Alexis Antounès. Sorti sur blessure, il marche le Servetien alors qu'on a des pétards qui interviennent. Et c'est bizarre, la manière dont Antounès marche aussi, il a l'air de vouloir se protéger. Ouais, et je reviens juste au jeu avec Tsunemoto là qui peut rentrer dans la surface, c'est Stefanovic qui centre, c'est un centre loupé qui est contré avec un coup de sifflet, ça va sortir en corner pour les Servetiens qui vont devoir pousser en cette fin de première période. Et comme tu le disais, je disais Antounès, c'est assez bizarre la manière dont il sortait. On voyait il essayait même de se protéger de la lumière des projecteurs alors qu'elle est pas spécialement forte, mais à mon avis il a vraiment mal à la tête et je pense une commotion parce que le premier point d'impact avait l'air d'être l'épaule, mais ensuite vraiment la tête qui a tapé Stefanovic, la tête a cogné sur le ralenti, le corner, le deuxième ballon et finalement zurichois avec Krasniqi qui lance Okita. Attention, ça peut aller très très vite du côté de Okita avec le retour de Mazikou. Okita face à Mazikou et là tous les Servetiens sont revenus. Ouais, mais attention, mais parce que c'est bien trouvé. Krasniqi, le centre, c'est pour Sivrouiller, le deuxième ballon, la frappe zurichoise et manque de précision. Il sera directement non cadré et ce sera un dégagement au 6 mètres pour notre gardien servétien à la nationalité chypriote, Joël Mal, qui va jouer long. Il n'y a eu aucun dégagement court, hein, sauf erreur côté servétien sur ce match pour l'instant. Non, et je trouve qu'on a un bloc de la part des deux équipes assez compact au milieu de terrain. Et on voit que les deux équipes prennent pas forcément très large sur le terrain, elles sont très regroupées les unes des autres. Avec Zurich en possession du ballon, un long ballon pour Zurich. Mais c'est haut là, avec une belle faute là sur Steve Rouillet, il a été accroché complètement. Et c'était Mascherano, malgré son petit gabarit, qui a presque réussi à faire une prise de judo sur Steve Rouillet, qui s'est retrouvé projeté au sol. En tout cas, belle projection de la part de Mascherano, si on peut au moins lui donner ça. Ippon parfaitement exécuté.
Ce sera Joël Mal qui, bien en dehors de ses 16 mètres, il va être à 30 mètres, qui va dégager long. Et Joël Mal, ce sera sur la tête de Krietziou. Deuxième ballon pour Gaël Ondoua dans un deuxième temps. Ouais, est-ce qu'il va pouvoir garder ce ballon Ondoua? Non, il perd ce ballon et attention parce que ça peut provoquer une contre-attaque là avec Mazikou qui va devoir couvrir. Mazikou, ça passe pas face à Mazikou. Mais c'est récupéré par Zurich, plus dans l'axe. Et c'est dégagé par Steve Rouillet, toujours présent dans cette défense. Le capitaine Grenat qui a fêté son 200e match mercredi avec les Servettiens, avec un ballon, un centre, mais dans les mains de Joël Mal. Qui relance pour Stefanovic et qui va tenter d'accélérer. Stefanovic avec une passe pour Crivelli, mais c'est manqué, c'est pas assez appuyé cette passe. Mais c'est un ballon récupéré au milieu de terrain. Et la faute sur Stefanovic, encore une fois un accrochage. On lui a tiré le maillot au Bosnien dans le rond central. C'est vraiment des batailles au milieu de terrain qui sont assez âpres au niveau du jeu et dans les derniers gestes. Quand on arrive dans les derniers 30 mètres, ça manque vraiment de précision. Ouais, alors que ce soit côté servétien ou jurer quoi. Ouais, le chat qui nous demande si Koutessa est titulaire. Alors il n'était pas titulaire dans ce match, mais il est rentré il y a quelques minutes à la place d'Antounès qui est sorti sur blessure. Avec le jeu qui reprend dans le rond central. Séverin, Rouillet. Steve Rouillet. Encore une fois pour Séverin, les Servettiens qui reviennent à leur gardien. Avec Joël Mal qui va se dégager, un long dégagement sur son côté gauche en direction de Crivelli, ça passe au-dessus. Et c'est tout de même récupéré là par Koutessa justement. Koutessa oui qui arrive à passer son adversaire qui tacle mais qui ne parvient pas à s'emparer du ballon avec Tsunemoto. Tsunemoto le centre, mais c'est dégagé par la défense zurichoise. Et ça revient avec Stefanovic. Sur le côté droit, Tsunemoto. Tsunemoto qui revient dans le rond central. Et faute là sur Tsunemoto. Mais ça joue. Et non, c'est stoppé par monsieur l'arbitre. Avec Keigo Tsunemoto au sol. Sur un tacle de Okita. Le japonais qui se relève assez rapidement. Rien de bien grave, mais une jolie faute à souligner tout de même. Avec un coup franc pour Servette au milieu de terrain. En fait, c'est un coup franc qui va être joué assez rapidement, pas la volonté de le jouer long a priori. Steve Rouillet qui cherche des solutions, il n'y a pas beaucoup de mouvement, hein. C'est ouais. Assez statique. Peut-être Stéphane, non je pense pas que... Finalement ça va être joué avec Johan Séverin. Ouais c'est dans le rond central, ce coup franc avec un long ballon de Johan Séverin pour Mika Stefanovic. Avec Timothée Cogna, le centre de Cogna et c'est manqué hors cadre et ça sort en 6 mètres pour Zurich. Milo qui est assez surpris de la décision du corps arbitral qui estimait que ce ballon a été touché par un Zurichois en dernier et que ça aurait donc dû être par conséquent un corner, mais ce sera bien un 6 mètres qui va être joué de manière assez similaire hein, côté Zurichois avec toujours Krietziou qui remet à Brecher et généralement on allonge par la suite, c'est chose faite encore une fois. Un long ballon pour à présent Mascherano. Mascherano ouais. Qui est bien récupéré par Ondoua, mais Ondoua transmet directement le ballon à Zurichois. Ça arrive jusqu'à dans les pieds de Dante. Ouais, alors qu'on approche de la 40e minute, dans d'ici 10 secondes, on aimerait bien que ce match s'emballe un peu parce que on a ce stade à moitié vide qui sonne un peu creux et c'est vrai que pour l'instant les supporters, les virages qui mettaient un peu d'ambiance, bah c'est un match qui finalement. Ne leur permet pas de s'exprimer pleinement. Attention dans la surface, Zurich. Ah, Zurich leur frappe. C'est dévié. Et dégagé par Mika Stefanovic, le Bosnien, sur Crivelli. Dans le rond central, Crivelli qui conserve ce ballon. La faute, c'est sifflé au milieu de terrain. Tirage de maillot encore une fois. Zurich qui fait trois fois la même faute en peu de temps là. On était pas loin du carton jaune, selon moi quand même. C'est une faute d'anti-jeu. Je pense le fait que Crivelli était dos au jeu. À pencher en la défaveur du carton jaune avec un ballon pour Tsunemoto à destination de Guimeno qui dévie mais finalement sera directement dans les bras de Yannick Brecher pour Cambéry profite de l'espace qu'on lui donne en marchant même. Il gagne un peu de terrain mais donc là des huées hein, du côté des travées du stade de Genève, c'est assez rare pour être souligné quand même. C'est un peu un mélange de tout ce qu'on est en train de vivre qui fait que ces coups de sifflet arrivent avec Krasniqi qui arrive à. Oh le à tacle bien sur Krasniqi, c'est bien joué de la part de Ondoua.
avec Katic qui remet à Brecher. Brecher qui temporise et qui va transmettre à Lindrit Camberi pour Nikola Katic à nouveau pour Kriedziu. On essaye d'avancer côté zurichois assez prudemment, hein. Pas de passe trop dangereuse pour l'instant, on essaie de rester en possession du ballon. Et c'est chose qui fonctionne pour l'instant avec Mathieu pour Okita. Et on revient jusque dans les pieds de Brecher au final. Un match qui manque un peu de piment et on souhaiterait bien avoir une action ou quelque chose pour emballer ce stade qui est bien trop calme, mais le jeu ne permet pas de nous emballer ou de nous enflammer. Peut-être s'il a maintenant la grosse saute, hein, ce sera un carton à mon avis. Ouais. Part de crier sur... Carton pour Kriedziu avec une faute assez importante. Oui, deuxième carton jaune dans ce match. Ouais. Deuxième carton jaune. Et on est rentré, enfin on rentre dans les trois dernières minutes du temps réglementaire dans ce match et dans cette première période. Assez mitigée, il n'y a pas eu tellement d'occasions. Aucune équipe n'arrive en fait vraiment à prendre le dessus. Dans ce match, c'est pas très. Comment dire. Pas mouvementé, mais. On a du mal à se dire qu'une des deux équipes va marquer en fait pour l'instant. Parce que c'est vrai que c'est offensivement c'est très léger. Avec ce coup franc qui va être tiré par Stefanovic, le numéro 9. Stefanovic s'est tiré en plein dans la surface à tête, mais ça passe largement au-dessus, à côté, et c'est complètement raté. Miguel Ondoa qui avait vraiment tout l'espace et tout le loisir de placer sa tête. Malheureusement il a manqué son geste. Ça manque de technique et de précision. C'était même pas dangereux pour Brecher au final. Ce sera donc un dégagement au 6 mètres. Zurichois une fois de plus. Ça va être Kriedziu qui va jouer pour Brecher. Brecher avec Katic. Zurichois qui monte en possession du ballon gentiment. Mais sûrement Katic avec Kriedziu. Kriedziu pour Mathieu. Et ça revient jusque dans les pieds de Brecher. C'est vrai que les deux équipes essaient quand même de jouer un jeu de possession. Et du coup, ça donne pas grand chose et pas beaucoup de vitesse dans le jeu. Il n'y a pas un pressing outrageux qui est mis du côté servétien. Donc ça fait une mi-temps qui est assez tranquille. Hein. Quand les servétiens sont en possession du ballon, les Zurichois ne mettent pas vraiment de pressing également. Et avec une bataille au milieu de terrain là. Et c'est sur le côté droit pour Zurich qui va pouvoir centrer. C'est fait, le centre. Et attention à la tête, mais ça passe à côté. Enfin, ça a été très vite. Ça a été dévié, on dirait, non ? Oui, tout à fait. Steve Rouillet qui a dévié. Heureusement qu'il a dévié, parce que sinon, à mon avis, ça aurait été une intervention compliquée pour Joël Mal. Un deuxième corner au même endroit pour les Zurichois, qui va être effectué par Dante sur la droite des cages de Joël Mal. Ce sera un corner qui sera sortant. Ouais, avec Amadou Dante qui s'élance. Corner bien tiré. Et attention à ce retour. La tête s'est poussée des points par Joël Mal et s'est dégagé par la défense servétienne. Un long dégagement plus haut que loin. Et Mika Stefanovic, la bataille contre Amadou. De la part de Stefanovic qui a bien protégé son ballon face à Dante. Ce sera un dégagement en 6 mètres alors qu'on va bientôt avoir le temps additionnel. J'ai pas eu le temps de voir. 5 minutes de temps additionnel. C'est tout à fait correct selon moi. Il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu avec les blessures notamment d'Antounès et la sortie de Katic qui, heureusement pour les Zurichois, a lui pu retourner en jeu, ce qui n'a pas été le cas d'Alexis Antounès qui a été remplacé par Derek Kuteza. Ouais, et ce ballon manqué de la tête par Stefanovic qui va donner une touche. Une touche qui va être effectuée par Amadou Dante encore pour remettre ce ballon en jeu. Il cherche ses partenaires, des solutions là. Et ça va être sur la tête de Steve Rouillet. Avec un bon ballon là, peut-être avec Timothée Cogna. Timothée Cogna dans l'axe qui va rentrer dans la surface. La passe pour Derek Kuteza dans la surface, la frappe de Kuteza. Et capté par le gardien adverse. Brecher qui s'empare de ce ballon assez facilement. Un ballon à ras de sol avec malheureusement peu de puissance, mais une belle occasion pour les Grenats. Avec Derek Kuteza qui a reçu une passe. Il était seul dans la surface. Les Zurichois. Qui ont le ballon. Qui va allonger.
Oula, oh, attention, déviation involontaire Okita. Oh, heureusement que Joelmal était à l'affût là. Ouais, dégagement du pied de Joelmal en dehors de sa surface. Heureusement qu'il était là, qu'il avait bien anticipé ce ballon. Il y a un ballon là sur Kiedzu qui va jouer devant lui. Le deuxième ballon sera. Deuxième ballon, troisième ballon, c'est compliqué à dire, mais en tout cas le ballon est duré quand même. Ouais, attention parce qu'il y a un 3 contre 4 là. 3 contre 4. Pour Okita. Okita il attend l'appel. Ouais, les Zurichois qui sont en 4 contre 5 maintenant, proche de la surface, proche du poteau de corner, le centre, c'est repoussé par Mazikou. Est-ce que ça sort en corner ou en touche ? En touche. En touche, mais proche du poteau de corner, très proche. Est-ce qu'ils vont la jouer comme tout à l'heure avec une longue touche directement dans la surface ? C'est possible avec Okita qui s'avance. Et non, ça sera joué avec Okita dans le coin du terrain. Avec un nouveau centre raté, ça va redonner une touche au même endroit. Pour Zurich. Cette fois un peu plus longue la touche sur Okita, mais c'est bien contré. C'est Mazikou qui a ce ballon maintenant à présent. Avec Timothée Konya. Et non, le ballon revient dans les pieds des Zurichois à la bord de la surface de réparation adverse. Il rentre dans la surface des Zurichois. Le centre à ras de sol, c'est bien contré avec le saut tacle glissé de Mazikou. Les deux points. Attention, il le but. C'est Dante, un but assez spécial. Un centre qui a été dévié par Joelmal, qui a boxé ce ballon d'une main. Et ça arrive assez chanceusement quand même dans les pieds de Dante qui a tout loisir. Ouais, on a eu un très beau tacle de Mazikou, mais le ballon est monté, redescendu, repoussé de deux points par Joelmal. Et ouais, malheureusement, Amadou Dante qui avait le temps d'armer sa frappe et de tirer. Dans des cages, irrité, dans des cages vu de la plutôt physionomie bien. De la première mi-temps, c'est les Zurichois quand même qui ont eu les plus grosses actions, les actions les plus dangereuses. Et dans le jeu, les Servetiens n'ont pas été spécialement tranchants, donc c'est ouais, pas et du c'est tout surprenant de voir les Zurichois qui ouvrent le score dans ce temps additionnel. C'est compliqué, ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire, d'encaisser ce but si tard en seconde période. Là, on va rentrer au vestiaire d'ici peut-être une ou deux minutes, voire moins. Ça met un coup sur la tête des Grenats. Il va falloir faire une meilleure deuxième période avec Tsunemoto, mais une passe un peu trop longue. Ça sera dans les pieds de Mazikou. Bon, c'est vrai. C'est vrai, qui va jouer loin à destination de Stevanovic au duel avec Dante. Et Dante qui ne touche même pas la balle. Il y a peut-être une obstruction sur Stevanovic, mais en tout cas ce n'est pas sifflé. Et ce sera une touche zurichoise sur le côté gauche qui va être effectuée par donc le buteur zurichois. Dante. Ouais, et Servette qui s'éloigne en cette fin de première période de 3 points précieux pour cette course au titre. Avec ce ballon dans les gants de Joelmal. Qui allonge loin devant Joelmal. Avec un ballon dans les pieds zurichois à présent dans le rond central. Zurich qui va retenter une offensive avec un ballon par-dessus la défense. Attention parce que ça peut rentrer dans la surface. Un petit peu excentré ce ballon. Avec Macha. Un ballon qui sort. On prend. C'était Servetien. Ouais. Qui va être effectué une fois n'est pas coutume long. On ne souhaite pas jouer court du côté Servetien en cette première période sur les remise en jeu et c'est la fin de la première période. J'ai l'impression que ces 5 minutes ont passé très très vite quand même. Avec un but encaissé, donc forcément ça fait pas plaisir. On l'a sans passer, ce temps additionnel on sent passer. Et Servette qui rejoint les vestiaires avec un but d'écart. Un peu comme le match de mercredi, il me semble. Ouais, on va voir ce que ça va donner en tout cas au niveau de la deuxième mi-temps. Mais c'est la mi-temps ici au Stade de Genève sur ce score de 0 à 1. On va vous laisser, on va se retrouver. On rappelle juste que les tribunes sont toujours vides hein, dans ce stade. Toute la première mi-temps a été faite avec des ultras des deux côtés qui ont quitté le stade dès les 5 premières minutes, et ce qui nous donne une ambiance assez spéciale. On vous retrouve donc dans 15 minutes après la pause, le temps de vous hydrater, de manger un bout peut-être et d'une réorganisation pour nos Servetiens, parce que là on a un match et un score à remonter. On se retrouve tout à l'heure, à bientôt.
Et nous revoilà pour vous commenter cette seconde mi-temps entre Servette et Zurich. On le rappelle, 1-0 pour le FCZ et le match vient de reprendre avec Servette qui a donc procédé à cet engagement, enfin à ce coup d'envoi, et qui perd à moitié ce ballon déjà. Non, c'est récupéré par Stefanovic. Alors Servette qui va pouvoir avoir déjà une offensive avec Konya dans la surface. Stefanovic, le centre est un gros pétard. On le rappelle, les ultras des deux côtés qui ne sont pas revenus, que ça soit côté servettien, côté zurichois, plus personne dans les tribunes. Un match un peu spécial et un premier corner pour le Servette FC. Je vais me permettre de reprendre le chat pour vous lire. Stevanovic qui va botter ce corner. Stevanovic, ce sera au niveau des 6 mètres. Attention, deuxième ballon, il sera malheureusement pour personne et ce sera dégagé côté zurichois a priori. Et c'est directement joué en touche. À noter du côté zurichois la sortie de Krietziou et l'entrée de Daprela. Voilà, alors n'hésitez pas à nous partager vos ressentis ou vos questions dans le chat. On est là aussi pour vous répondre. Timothée, qu'est-ce que t'as pensé un peu de cette première période mitigée quand même, hein? Alors, première période très spéciale, que ce soit au niveau du jeu, au niveau de l'ambiance sur les tribunes, mais on va pas y revenir, on va surtout se concentrer au niveau du jeu. Côté servettien, on n'a pas vu grand-chose de très intéressant, si ce n'est l'occasion un peu cafouilleuse où on aurait pu potentiellement, avec un peu plus de réussite, mettre le ballon au fond, mais c'était vraiment pas une action franche. Et les grosses occasions étaient clairement côté zurichoise et au niveau de la construction ça reste assez faible des deux côtés, que ce soit côté zurichois ou servettien. Les équipes arrivent à maintenir la possession du ballon mais quand on se rapproche des 30 derniers mètres ça manque cruellement de précision des deux côtés et c'est un but assez brouillon qui est venu du côté du FC Zurich et à mon avis ça illustre bien quand même cette première période. Ouais, analyse où je te suis, hein. Après on a c'était quand même un but c'était pas un but moche, tu vois, c'était quand même quelque chose de bon. C'est vrai que ça a quand même rebondi sur un tacle glissé plus les deux points de Joël Mal, mais c'est pas une action construite où on se dit ok c'est bien joué, il y a eu un beau centre, un bon appel. Je vois où tu veux en venir, ouais. C'est tiré par les cheveux quand même. Ouais, on espère donc une réaction des Servettiens et au moins deux buts pour gagner ces 3 points, pour rester à 1 point du rival bernois pour cette course au titre. On le rappelle, Lugano qui a fait cet après-midi un match nul 2-2 face à Winterthur et qui est donc à 1 point du SFC. Faute de Zurich sur Enzo Crivelli. En effet, c'est Nicolas Katic qui a été fautif quand il a sauté. Il a laissé un peu traîner son bras. C'est arrivé dans le visage d'Enzo Crivelli. Ce sera un coup franc assez centré contre Servettien. Peut-être tenté directement selon moi. Il y a Stevanovic qui est à côté du ballon. Bradley Mazzico également pour brouiller les pistes avec un gaucher et un droitier. J'ai l'impression que ça va être joué en deux temps. Mais on est assez prêt pour le jouer directement également selon moi. On va voir ce que ça va donner. L'arbitre qui demande au Servettien de jouer ce coup franc. Stevanovic qui s'élance. Stevanovic qui prend de l'élan. On est à 35 mètres. Et non, ce sera finalement Jérémy Guimeno qui replace à nouveau le ballon. C'est très long côté Servettien là. Ce coup franc, on espère que ça donnera quelque chose de positif. Guimeno. Le coup franc c'est direct et c'est trop enlevé malheureusement de la part de Jérémy Guimeno. J'ai presque envie de dire tout ça pour ça. Les Servettiens qui ont bien pris, à mon avis, 30 secondes pour tirer ce coup franc qui aura fini finalement dans les filets. Mais malheureusement, pas les bons filets. Les filets protecteurs derrière les cages. Ouais, effectivement, compliqué. Hein. Compliqué. On espère qu'à la fin de ces 45 minutes, le résultat sera plus positif pour les Grenats. Alors attention, parce que là, c'est plutôt Zurich qui va être à l'attaque. Mais c'est un dégagement du gardien, Joël Mal. Et ça sort en touche. La touche a été concédée par Stevanovic. Ce sera Dante qui va effectuer ses touches pour Krasniqi. Ouais, alors qu'on peut Krasniqi. On peut voir plusieurs joueurs à l'échauffement. Bendegusbola, Théo Manien, Nishimura.
Dylan Brown également. Avec Kondé qui se balade un peu et finalement c'est Serran qui arrive à dégager. Le ballon arrive pour Ondoa. Ondoa qui vient s'empaler dans un adversaire et finalement c'est récupéré par Timothée Cogna. Et non, le ballon est zurichois avec Kondé. Kondé, non. Servetien cette fois, c'est très brouillon là, la possession qui change très rapidement et au final le ballon, en tout cas provisoirement, zurichois. Il est récupéré évidemment par un Servetien, Timothée Cogna. Et c'est une possession zurichoise à nouveau, c'est très spécial et très difficile à commenter là. Ce qui se passe sous nos yeux, c'est très brouillon, on se croirait presque dans une cour de récréation, aucune des deux équipes qui a réussi à poser le ballon pendant au moins une vingtaine de secondes et le ballon qui a dû changer. Une bonne dizaine de fois de possession. Et au final, ce sera une touche zurichoise. Ouais, alors que il y a des pétards qui retentissent en dehors du stade. Ceux qui ne peuvent pas être allumés à l'intérieur. On a à peu près la confirmation que les ultras ne reviendront pas à l'issue de cette rencontre. Cette deuxième mi-temps se jouera avec un stade. Et ces tribunes vides comme en première mi-temps avec Crivelli qui tente de repenser le long de la tête et c'est un dégagement Servetien avec Guimino mais qui n'a pas pu récupérer ce ballon et Joël Mal dans ses gants qui va pouvoir redonner ce ballon à sa défense avec Mazikou qui tente un ballon mais qui est contré. Ça revient dans la défense servétienne. Joël Mal, le long dégagement en direction d'Enzo Crivelli. Enzo Crivelli au sol. Et faute sifflée par monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre, oui. Ça me semblait bizarre quand je l'ai prononcé. C'est juste, et le nom de l'arbitre de ce soir est très compliqué à dire. Donc je l'ai essayé une fois, je ne vais pas l'essayer deux fois. Allez, bien joué là de Bradley Mazikou. Déjà le centre Crivelli la tête et malheureusement elle est trop décroisée. Il sera directement à 6 mètres. Mais ça suffit en tout cas pour réveiller ce stade hein, qui n'en demande pas moins. Malgré l'absence de la section Grenat, on voit un stade quand même qui est prêt à s'enflammer à la moindre occasion. Et en tout cas ça se rapproche. Hein. C'est presque l'occasion. Enfin pour moi c'est l'occasion la plus dangereuse avec une construction dans le jeu côté servétien. Un ballon zurichois dégagé par Brecher. Ce sera sur la tête de Séverin. Deuxième ballon pour Kondé. Séverin à nouveau. Ça arrive finalement sur Kouteza qui arrive à mettre un pied sur le ballon et transmettre à Mazikou. Mazikou qui dégage et part un peu plus pressé. Et finalement, ce sera pour Rouillé. Cogna qui prolonge malheureusement sur un zurichois avec Mathieu. Mathieu qui a essayé de faire un petit pont avec Rouillé. C'est chose manquée. On a vu que Rouillé a bien refermé ses jambes. Il l'a senti ce petit pont. Avec Enzo Crivelli pour Derek Kutessa. Kutessa qui va s'avancer en 2 contre 1. Derek Kutessa. Il rentre dans la surface, le centre de Derek Kutessa pour Crivelli, mais qui ne peut pas reprendre ce ballon. Un petit peu accroché peut-être. Enzo Crivelli. Et ça repart avec Dante, Amadou Dante, qui rend ce ballon. Ça avait l'air quand même très compliqué ce qu'il a tenté là, Enzo Crivelli, de contrôler en pivot pour potentiellement se retourner avant. Mais il fallait déjà contrôler le ballon proprement. Pour ça, un ballon intéressant là, avec Cogna qui transmet avec Kouteza sur son côté gauche, il y a l'espace. Kouteza qui a provoqué, il y a appel dans le dos, Dimono, Kouteza la frappe et malheureusement c'est trop enlevé. Ce sera directement au-dessus des cages de Brecher et ce sera un autre dégagement au 6 mètres. En tout cas, à des intentions plus claires côté servétien sur ce début de deuxième période. Et c'est déjà, selon moi, plus intéressant que ce qu'on a vu sur l'ensemble de la première mi-temps. Ouais, avec un dégagement de Brecher depuis ses buts. Et un public qui se réveille un peu. Un public qui se réveille un peu. Et un ballon dangereux pour Zurich. Mais c'est bien suivi, c'est bien récupéré par Tsunemoto. Et Joël Mal qui se dégage des mains. Attention à ne pas perdre ce ballon dans sa surface. Là, les Servetiens. Et les Genevois justement qui repartent à l'attaque avec un long ballon devant pour Crivelli. Bien trop long ce ballon. Récupéré par Brecher pour Cambéry. Côté zurichois, ça joue déjà la montre. Hein. Niveau de Brecher,
quand on peut gagner de moindres secondes, il ne s'y manque pas, hein, le gardien zurichois. C'est Laurent qui s'en sort très bien là, c'était compliqué, mais le ballon est toujours en position des Servettiens avec Mazikou pour Kuteza, Konya. Konya qui essaie de trouver Kuteza, malheureusement. C'est zurichois, mais directement dégagé en touche. Konya qui va jouer rapidement pour Kuteza, il y a la bonne couverture, il y a un gros tac. À mon avis, correct, mais. Ouais, ça fait mal. C'est zurichois qui se fait mal. C'est très peu pour eux quand même que ce soit le zurichois qui se fasse mal alors que c'est lui qui fait le tac. Là, on voit que côté zurichois, je pense que le message est assez clair. On va essayer de s'accrocher à cet avantage et jouer en rupture. Je pense pas qu'on va voir les zurichois créer le jeu. Je profite de ce temps mort pour mettre ma veste. Oh, il fait pas si froid quand même ici. Non, il fait pas si froid, mais en t-shirt ça commence à bien faire. J'aurais apprécié que le jeu me réchauffe assez pour que j'ai pas besoin de mettre ma veste, mais. Ouais, parce que malheureusement le stade ne va pas être là aujourd'hui pour le faire. Non. Avec Tsunemoto qui obtient ce ballon. Tsunemoto pour le numéro 21, Jérémy Guimeno. C'est bien joué cette passe de Guimeno pour Stefanovic. Timothée Konya en plein axe. Écoutez ça, à l'entrée de la surface. Il a Mazikou, il préfère centrer la tête et ça passe à côté. Encore une belle action là, la tête de Guimeno. Hors jeu ? Oui, il était hors jeu. Ah bah écoute, avec mercredi. Ça m'a fait penser au but de mercredi quand même. Le centre et la tête de Guimeno. Ouais, j'en ai commenté des hors jeu. Hein. J'en ai vu bien trop malheureusement. Ce sera donc un coup franc. Un zurichois dégagé par Brecher qui prend évidemment beaucoup de temps pour le faire. Alors qu'on est seulement à la 56e, c'est vrai que c'est je dirais pas bizarre, mais c'est dommage, peut-être. Avec Tsunemoto. C'est un jeu à la Luganais quand même, hein. On essaie de gagner du temps le plus vite possible. Un jeu à la Luganais. Ouais. Qu'est-ce que tu insinues, mon cher Timothée ? Je connais très bien la façon dont Lugano joue. Qui se servent des moindres petites techniques qu'on peut juger ou qualifier à la limite de l'anti-jeu. C'est ce que Lugano utilise très souvent. Et on dirait que les Zurichois tentent d'adopter cette stratégie pour cette seconde période. C'est vrai qu'on n'a pas vu les Zurichois proches des cages servettiennes, c'est tant mieux. Et on a l'impression que c'est pas forcément dans leur plan de jeu de se montrer dangereux. Donc là, il y a une touche qui va être et encore un Zurichois au sol quand même. Ça fait beaucoup là, j'ai l'impression quand même. Ouais, va falloir peut-être ça pas, s'accumule. Hein. Peut-être pas en abuser. Hein. Non, mais généralement, les arbitres sont très peu quand même à prendre leurs responsabilités et avertir lorsqu'il y a souvent des joueurs qui se mettent au sol. Parce que là, bizarrement et miraculeusement, Zurichois n'a plus aucun souci et il est debout. C'est même lui qui va faire l'appel pour la touche. Apparemment, les blessures guérissent vite hein, du côté de Zurich. Ouais, avec cette touche pour Zurich justement. Cambéry qui va laisser cette touche. Pour Borniasevic. Exactement. Qui va effectuer cette touche. Cherche des solutions et il la trouvera avec Krasniqi. Allez, Tsunemoto, première sur ce ballon. Ah, c'est dommage. Mais c'est récupéré tout de même par les Grenats. Avec dans le grand central, Jérémy Guimeno. Ah, il perd ce ballon, Jérémy Guimeno. Bousculé. Mais pas de faute. Et c'est Zurich qui repart en contre-attaque. Attention à ce long ballon devant. Ça rentre dans la surface pour Zurich. La frappe arrêtée par Joël Mal, captée. Et heureusement, Joël Mal qui va pouvoir donc se dégager. Et attention à Zurich, hein, pas s'en prendre un deuxième parce que ça pourrait rendre la tâche encore plus compliquée qu'elle ne l'est déjà. Avec Crivelli qui n'arrive pas à récupérer ce ballon. Guimeno qui suit dans la surface. Un long dégagement zurichois. Et une touche. Avec Derek Kuteza qui fait cette touche pour Timothée Konya. Konya qui perd ce ballon. Timothée Konya, il se bat quand même pour la récupérer avec Okita. Et c'est un ballon perdu qui va sortir en touche, mais cette fois pour Zurich. Okay, c'est bien joué d'Okita qui s'est bien servi des lignes pour garder ce ballon en jeu et forcer les Servettiens à le remettre en touche. C'est une touche à effectuer. Par Borniasevic, alors qu'il y a Nishimura qui est rappelé de son échauffement. L'international japonais va effectuer son entrée. Il a joué notamment pas mal de minutes
lors de matchs amicaux l'année passée. On va se concentrer sur le jeu avec Tsunemoto pour Crivelli qui transmet à Guimeno. Guimeno, il a de l'espace mais il est bien repris. Et oula, retour viril hein, de la part de Tsunemoto. Il a sifflé l'arbitre ou pas? J'ai pas entendu le siffler. J'ai pas entendu non plus, mais on a le joueur de Zurich qui reste au sol. Tsunemoto, lui, qui a l'air d'aller plutôt bien. Qui se relève, oui, Tsunemoto, le japonais. Qui va être rejoint par un autre japonais sur le terrain. Qui n'est personne d'autre que Nishimura. Le healer qui va donc faire entrer une nouvelle arme offensive. Donc pour ça, la ça suite va être de cette intéressant de voir qui Nishimura va remplacer, parce que ce sera éventuellement un autre attaquant, alors une décision et des intentions clairement plus offensives avec la sortie potentiellement d'un milieu. On le saura d'ici peu de temps. Le coup franc à Zurichois et manque totalement de précision. Ce sera directement un dégagement au 6 mètres pour Joël Mal. Mal qui va jouer long. On va sur la même filière et le changement va être effectué et ce sera la sortie de Jérémy Guimeno. Ce sera poste pour poste, à mon avis il y aura Nishimura qui sera en soutien d'Enzo Crivelli. Mais un match Guimeno qui a l'air quand même assez frustré de céder sa place. C'est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup d'occasions. Mais c'est un des seuls joueurs servétiens qui a récemment déjà marqué tout simplement, qui a réussi à marquer dans le jeu, que ce soit autrement que sur penalty. Avec son égalisation face au Slow mercredi soir. Ouais, Kuteza là qui redonne ce ballon à Mazuko un petit peu trop long. Et c'est rendu à Kuteza. Kuteza qui pousse un peu trop ce ballon là, qui le perd et qui offre une touche à Zurich proche de leur poteau de corner. Avec l'entrée effectivement de Nishimura, comme tu l'as dit, pour bouger un petit peu cette attaque genevoise qui ne fait pas trop trembler la défense zurichoise pour le moment. Gagne en temps fou quand même hein, côté zurichois sur chaque arrêt de jeu. Avec un ballon cette fois qui sera servétien. La touche sera Grenal, sera effectuée par Bradley Mazikou. Il y a un appel Stevanovic, il n'est pas servi. Mazikou qui cherche une solution, il la trouve avec Nishimura, mais c'est ouais, difficilement donné. On doit récupérer avec Séverin jusque dans les pieds de Steve Rouillet. Ouais, Steve Rouillet qui va rejouer. Avec son gardien qui va lui rendre ce ballon et c'est joué avec Johan Séverin. Steve Rouillet encore. Steve Rouillet qui rentre dans le rond central. Une belle passe pour Timothée Cogna. Timothée Cogna pour Kutesa. Kutesa sur le côté droit. Oui, c'est bien joué là de Bradley Mazuku qui s'en sort face à deux Zurichois et qui rejoue pour Johan Séverin. Johan Séverin. Steve Rouillet. Un long ballon de Steve Rouillet pour Tsunemoto. La bord de la surface, le centre de Tsunemoto, la tête de Crivelli qui passe à côté. Et un changement. Double changement côté zurichois avec la sortie de Kita et la rentrée de Fabian Ronner. J'ai pas vu le deuxième changement. En tout cas, côté zurichois, ça prend son temps pour sortir. Hein. C'est Borania Sevic qui va céder sa place. Ce sera un dégagement au 6 mètres donc de Brecher. Ouais, Brecher qui se fait incendier par la tribune à chaque 6 mètres. Qui est de bonne guerre évidemment, et d'autant plus quand on prend en considération le temps qui est pris par le portier zurichois pour effectuer ses dégagements. Bon. La touche sera zurichoise là. Ce sera effectué par le nouvel entrant, Affrié. Qui attend un ballon visiblement. Les zurichois qui se. Même ceux qui s'échauffent, ils arrivent à embêter quand même en empêchant le ramasseur de balles de passer et de transmettre la balle. Ouais. Avec Marcherano pour Ronner et ce sera même un corner zurichois. Se fera ou une touche. Ce sera un corner.
Ouais, ça promet une seconde période peu animée pour le moment. On ne l'espère pas, hein, évidemment. Avec ce corner pour Zurich, qui va être tiré. C'est fait. En plein dans la surface, dans les deux mains de Joël Mal, qui va pouvoir vite relancer. Non. Un peu gêné. Un peu gêné, Joël Mal. Il n'a pas pu enchaîner. Et c'est un long dégagement en direction de Derek Koutessa. Malheureusement qu'il sort en touche. En effet, Koutessa qui a été poussé au départ de l'action, ça a peut-être un peu gêné. La touche sera donc zurichoise effectuée par Ronner. Vraiment, il n'y a rien qui se passe sur le terrain, il y a tout le monde qui marche, l'arbitre qui ne dit absolument rien. Et finalement, la touche est faite. C'est un peu compliqué de commenter, enfin de commenter ce genre de match où au final, ouais, et comme tu l'as bien dit, il se passe pas quand je vois avec la tête là, Derek Koutessa qui va pouvoir rentrer dans la surface. Le petit pont de Derek Koutessa, c'est passé même. Allez, la frappe de Konya. C'est contré. C'est contré dans la surface. Tsunemoto qui récupère ce ballon pour Stefanovic. Il faut remettre ça dans le paquet avec Tsunemoto. Tsunemoto, le centre. Allez, Koutessa qui tire au-dessus. Et ça réussit à réclamer un corner, ça ne sera pas le cas. Ce sera un dégagement au 6 mètres, mais on voit que le jeu peut quand même s'enflammer. On a l'impression que les Servetiens ont quand même les clés s'ils le souhaitent et s'ils ils ont la volonté de passer à la vitesse supérieure. Les Zurichois ont quand même de la peine à suivre. Ça fait pas mal d'occasions quand même. Là, c'est la première depuis une petite dizaine de minutes qui est dangereuse. Et c'est pas la première en tout cas sur cette deuxième mi-temps. Comme ça, on vous a laissé. J'ai fait exprès, ouais. J'ai pas voulu enchaîner pour qu'on l'entende. C'est vrai qu'on l'entend beaucoup plus que d'habitude, parce que normalement il y a également les chants qui, de la section Grenat qui masquent un peu. Mais là on n'a pas de chant, donc on a vraiment. Ouais, avec Crivelli. Mais c'est l'homme qui sort en touche. Et on a Timothée Cognac qui reste seul. J'ai pas vu exactement ce qui s'est passé, je sais pas si toi t'as eu un visuel sur. C'était en retombant, sauf erreur. J'ai pas vu exactement où il s'est fait mal. On va essayer de regarder ça au ralenti. Je pense que ça devrait aller, hein. Timothée Cognac qui s'est en effet relevé. C'est rouillé pour Keigo Tsunemoto. Tsunemoto qui va allonger avec Stefanovic au duel. Stefanovic face à d'après là, Stefanovic encore. Alors là, le duel est très musclé, à la limite de la faute, hein. Côté zurichois, ça ne joue même pas le ballon. Et ça a le don d'énerver tout le staff de Genève, hein. En tout cas, pas de faute sifflée sur Stefanovic, alors que le zurichois semblait quand même ne pas jouer le ballon, et finalement ce sera hors-jeu. Sifflé contre les Zurichois. Et un coup franc donc servétien. Ouais, une bataille assez musclée là. Hein. Proche de du poteau de corner. Et c'est finalement Mazikou pour Gaël Ondois à présent. Ah, la passe complètement manquée de Gaël Ondois directement dans les pieds de Mathieu. Et Zurich proche du poteau de corner servétien qui va pouvoir tenter une nouvelle offensive. Peut-être un centre. Oui, c'est fait. Le centre. La tentative de retourner, mais c'est complètement raté. Et c'est récupéré par Stefanovic. Et l'avantage est laissé. Nishimura, il est un peu tout seul là face à 3 Zurich. Nishimura qui va provoquer. Nishimura qui parvient à garder le ballon assez intelligemment. Il est à la recherche d'une solution. Mais là, il y a une prise à deux sur l'international japonais. Mais il obtient une touche. C'est quand même bien joué. Donc, pas de carton après, ouais, parce que la faute était très grosse. Hein. On a quand même une grosse faute, ouais, sur Crivelli, comme tu dis. C'est avec Nishimura. Rouillé. Sur Tsunemoto. Qui a essayé de prolonger avec Stefanovic. Ça a été contré par Dante, mais la touche sera servétienne, effectuée par Tsunemoto. Avec Stefanovic. Tsunemoto, petit ballon piqué à destination de Konya, c'est bien joué, techniquement bien exécuté. Stefanovic, le crochet, le centre, la tête. Non, finalement, elle sera zurichoise la tête et ce sera un corner quand même pour les Servetiens. De quoi mettre un peu d'ambiance dans ce stade. C'était bien joué, hein, le petit crochet de Stefanovic qui a mis son défenseur dans le vent. Et corner, effectivement, pour le Servette FC. Un corner qui va être tiré en plein milieu. Et la tête, oh la latte. Et c'est repris. Et c'est au-dessus. Ce sera un nouveau corner, hein.
J'ai envie de dire, pour une fois qu'un corner est très dangereux côté Servetien, c'était Stevanovic qui l'a botté au niveau des 6 mètres et Brecher qui n'est pas sorti et la tête de Nishimura a été se heurter sur la barre transversale des cages zurichoises, mais ce n'est pas fini. Ouais, et Dylan Brown qui allait qui s'échauffe, qui allait mettre le ballon pour Mika Stevanovic. 69e minute, les Grenats vont devoir accélérer s'ils veulent rejoindre les Zurichois au score. Un corner complètement dégagé et récupéré par Tsunemoto au milieu de terrain. 70e minute, ça y est, on y est. Plus que 20 minutes dans ce temps réglementaire de la seconde période. C'est récupéré par Tsunemoto dans la surface, dommage. Un petit peu trop long. Pardon, c'était Kribili. Un petit peu trop long ce contrôle qui permet aux Zurichois de récupérer ce ballon. Et attention parce que là on peut avoir une contre-attaque intéressante, bien lue par Joël Mal qui dégage ce ballon du pied. Malheureusement, ce sera sur un Zurichois avec un ballon à présent pour Koundé. Koundé qui va jouer long avec le nouvel entrant Fabian Rohner. Rohner qui provoque face à Mazico. Rohner essaie de se mettre la frappe et l'arrêt de Joël Mal attentif. Je suis pas certain que la frappe était cadrée. Elle se serait heurtée dans le petit filet ou sur le poteau, mais Joël Mal n'a pas pris de risque. Il a dévié ce ballon en corner, mais ça montre bien que les Zurichois sont toujours là et sur les contre-attaques ils peuvent être dangereux. Ça faisait étrangement penser au scénario du match contre le Slow quand même, avec une équipe très bonne en contre-attaque sur la deuxième période. Heureusement pour l'instant que l'issue n'a pas été la même avec un deuxième but. Et ce sera un corner Zurichois qui va être effectué par Mascherano au niveau du point de pénalty, et c'est dégagé par les Servetiens, l'intermédiaire de Steve Rouillet. Et le ballon est toujours zurichois maintenant avec Koundé au duel face à Cogna. Dante. Et le ballon arrive jusqu'à Katic. Katic, le petit ballon pour Koundé, le centre, et ce sera dégagé par Enzo Crivelli. Et un deuxième ballon qui sera toujours zurichois avec Koundé, la frappe directement dans les bras de Joël Mal. Et oui, Joël Mal qui va pouvoir qui demande à son groupe de monter et qui joue pour avec Johan Séverin. Johan Séverin qui cherche quelques solutions. Ça sera Gaël Ondoa qui est trouvé, qui donne ce ballon directement pour Mazico. Mazico qui passe la ligne du milieu de terrain, qui rend ce ballon à Gaël Ondoa. Gaël Ondoa qui change de côté avec Stefanovic qui récupère ce ballon. Stefanovic qui se retourne. La passe de Stefanovic dans la surface pour Timothée Cogné, la frappe. Et c'est dévié directement en corner. Et nouveau corner pour le SFC. Avec Stefanovic qui rejoint le drapeau pour frapper ce corner à nouveau. Dernier corner frappé de ce côté avait résulté avec une barre transversale de Nishimura. On espère la même chose, mais cette fois elle sera potentiellement rentrante. Stefanovic pour un ballon. Ça ressort, Mazikou la frappe. Et malheureusement, la balle qui se dérobe du cadre. Ouais, rate le cadre Mazikou, mais c'était pas si mal tiré finalement. Non, ça passe à côté. On a eu une illusion d'optique et on avait l'impression que le ballon était beaucoup plus proche que ce qu'il était réellement. C'est possible aussi. Alors qu'on a une affluence de 12 677 supporters. 12 677 supporters au stade de Genève. Ça me paraît beaucoup. Même peut-être avec tous les Zurichois et la section Grenade, je doute qu'on soit à 12 000 quand même. Certes, la tribune principale est bien gardée, mais la tribune Est est quand même majoritairement vide. Ça va. Par rapport à ce qu'on connaît, c'est bien. Attention, on va se concentrer sur le jeu avec une entrée dans les 16 mètres zurichoises, le centre. Attention, le deuxième ballon, et finalement c'est dévié par Joël Mal. Et le ballon est maintenant en possession servétienne, mais on est toujours proche des cages. Défendu par Joël Mal. Tsunemoto dans l'axe avec Gaël Ondoa. Ondoa qui a de l'espace, il gagne du terrain. Ondoa, le grand pont, et non, finalement c'est récupéré par un zurichois qui va pas se déranger pour rester au sol. Et c'est Koundé qui arrive à contre-attaquer. Ouais, attention parce que là ils sont presque en supériorité numérique en attaque les Zurichois. C'était presque un contre son camp, mais c'est bien dégagé finalement par les Servetiens et ça sort en corner. En effet, on était à quelques centimètres du but contre son camp Servetien. Heureusement que ça n'a pas été le cas et il y aura encore une entrée côté zurichoise avec l'entrée de Guerrero et la sortie du buteur ce soir. Pour l'instant, Amadou Dante, le seul et unique buteur de la rencontre. On espère que ce ne sera pas le cas d'ici à un peu plus d'un quart d'heure. En tout cas, le Zurichois qui se dérange pas de gagner du temps et de rentrer en marchant. C'est très long, hein.
Ouais, avec l'entrée de Guerrero. Amadou Dante qui aura fait mal au Servetien ce soir. Il sort à la 74e minute. Bon match de sa part. Avec Servette qui prend la possession de ce ballon dans sa partie de terrain. Un long ballon devant. Sur la tête zurichoise. Et il n'y aura pas de faute. C'est conservé par les Servettiens. Avec Séverin. C'est vraiment un long ballon un petit peu en transversal en direction de Stefanovic, tête zurichoise, mais c'est récupéré par Tsunemoto. Un petit peu derrière, qui la rend à Stefanovic, 1-2 pour Tsunemoto, Tsunemoto. Pour Nishimura, dans la surface pour Crivelli, il faut se retourner, Nishimura. La frappe de Nishimura qui passe au-dessus. Ouais, en effet. Il est dévié, mais c'est dommage parce qu'avec la déviation, elle a failli lever Brecher et ce sera un nouveau corner. Servetien, la pression qui commence à monter quand même ici du côté du stade de Genève. Le centre de Tsunemoto, c'est à nouveau contré. Ce sera encore un corner, Servetien. Ouais, Mika Stefanovic qui laisse ce ballon sortir pour obtenir un nouveau corner. Sa 75e minute, il reste 15 minutes dans ce match. Il faudrait marquer. Il faudrait marquer pour les Grenats. Avec attention, une petite embrouille là dans la surface entre les Zurichois et les Servetiens. L'arbitre qui intervient. Attention à ne pas prendre de carton bêtement. J'ai pas compris pourquoi l'arbitre a couru quand même aussi rapidement. Okay, il va rappeler toujours à l'ordre, ce sera Ondua et Condé. On va sûrement leur dire que ce sera la dernière fois. En effet, c'est le cas. C'est ce qu'on voit au niveau de la communication verbale de l'arbitre de cette rencontre. Ce sera Stevanovic, alors que tout le stade s'enflamme. Stevanovic au niveau du point de pénalty. Allez, deuxième ballon pour Nishimura. Nishimura de la tête, ça revient jusqu'à Ondua. Non, finalement pas. Attention, contre, hein, parce que les Uruguayens peuvent maintenant se projeter. Et finalement, les Servetiens arrivent à bien revenir. Là, mais attention quand même, avec un ballon pour Guerrero. Guerrero qui va changer de côté. Attention, ça arrive jusqu'à Mascherano, mais heureusement, c'est repris. C'était Affrier là qui avait eu une opportunité de faire quelque chose de bien avec ce ballon. Heureusement pour les Servetiens, ça n'a pas été le cas et la possession est à nouveau Grenat avec Bradley Masico qui va transmettre à Derek Kuteza. Kuteza, il a de l'espace et il propose qui est dans une position qu'il affectionne particulièrement. Kuteza face à Cambéry. Kuteza, il est passé. Kuteza dans les 16 mètres. Kuteza le centre pour Nishimura. Et c'est repris malheureusement pour Affrier. Évidemment, côté Jérôme, ça va jouer la montre. Hein. Ouais, Brecher qui fait exprès de ne pas prendre ce ballon dans les mains pour obliger les Servetiens à venir jusqu'à lui, gagner un petit peu de temps. Effectivement, on va rentrer dans les 10 dernières minutes d'ici peu et c'est du temps précieux pour les deux équipes. Avec un dégagement loin devant pour Brecher. Selon la théorie, c'est 6 secondes, hein, le moment où le gardien récupère le ballon dans ses mains. En théorie. Et le moment pour dégager. Forcé de constater que ce n'était absolument pas le cas sur cette action. Avec Tsunemoto qui remonte jusqu'au milieu de terrain mais qui repasse avec Steve Rouillet dans le rond central. Steve Rouillet qui peut monter un petit peu les Zurichois qui sont regroupés en défense. C'est Derek Kutessa qui obtient ce ballon. Derek Kutessa va-t-il réussir à passer son 1 contre 1, 2 contre 1 à présent. Derek Kutessa le centre sur Crivelli. Crivelli le contrôle. Allez pour Nishimura, la frappe, la barre. Et encore une latte pour le japonais. C'était vraiment bien joué, la passe de Kutessa, incroyable. Nishimura tout seul face au gardien qui tire ce ballon un petit peu trop malheureusement sur la latte des cages de Brecher. Ça c'est des occasions qui peuvent non seulement peser dans les têtes parce que c'est la seconde fois pour le japonais, mais aussi coûter cher à la fin de ce match. En effet, la seconde barre sur ce match pour Nishimura et lors du pénalty à Winterthur, on se rappelle que c'est la barre qui l'a heurté également. Ça doit potentiellement commencer à cogiter dans la tête de l'attaquant japonais. On espère qu'il va pouvoir effacer ses mauvais souvenirs d'ici la fin de la rencontre et éventuellement marquer et oublier ses mauvais souvenirs. Ah, dommage. La passe d'Ondua qui a été manquée à destination de Masiku. Je dirais plutôt que c'est le contrôle de Masiku, hein, ouais, qui a été manqué et qui laisse sortir ce ballon en touche. Et voilà, le joueur zurichois qui remet ses protèges tibias avant de remettre ce ballon. Très on sait jamais. Important. Ils étaient peut-être un petit peu trop bas, c'est vrai que. C'est vrai que pour faire la touche en plus, c'est important de les avoir bien positionnés parce que c'est pour ça que les tibias sont évidemment pas loin des bras. Quoi. Faut pas faire de torsion de.
Allez, avec une faute, c'est le Zurichois qui reste au sol. Alors que Doulin et Bola vont faire leur entrée. Ouais, et attention à notre technicien qui va casser son téléphone. C'est vrai que c'est rageant, hein. On voit du temps qui est grappillé. Encore et encore les médecins qui rentrent sur le terrain. Et je pense qu'on va avoir le temps pour analyser un petit peu cette seconde période. Je sais pas ce que tu en penses, mais il y a eu des occasions, malheureusement impossible de les concrétiser. Pas si loin que ça, de latte. Mais ouais, c'est pas assez, on le sent. On a l'impression quand même, c'est que au niveau de l'histoire récente et des matchs depuis la reprise, c'est toujours le même problème. C'est au niveau de la conclusion que ça pêche. Et tant qu'on marque pas de but, c'est impossible de gagner des matchs. Et surtout si on en encaisse après par la suite, c'est encore plus compliqué d'aller chercher des points. C'est vrai que sur les trois derniers matchs, ça fait pas énormément de buts marqués. Ça fait un but sur trois matchs. Hein. C'est ouais. Un ratio très faible. René Weiler en avait parlé en conférence de presse, pour après le match contre Lausanne. Et c'est bien lui qui disait que sans marquer de but, c'est impossible de remporter les points. En effet. Avec un coup franc zurichois. Directement dans les bras de Joël Mal. Hein. Ça avait l'air d'être un centre a priori, mais finalement, c'est arrivé directement dans les bras de Joël Mal. Presque en frappe avec un ballon pour Nishimura qui a repiqué dans l'axe, qui a transmis à son compatriote Tsunemoto pour Konya à nouveau. Maintenant, Konya, le 1-2 avec Stevanovic. Konya qui rentre dans les 16 mètres. Konya le centre et finalement ce sera dégagé. Et un nouveau corner servé sur. Avec Stevanovic encore une fois pour le tirer. Et l'arbitre qui opère les changements avec Bendegus Bola qui va rentrer sur le terrain et David Doulin. Ils seront changés par Gaël Ondoa et Timothée Konya. Le changement plutôt offensif avec le numéro 77 hongrois. Stevanovic, le corner, ça a été dévié par Stébrouillet, le ballon pour le penalty. Rouillet, non, finalement sera dégagé par Marcherano. Attention là, le ballon. Voilà, rien de faute. Oh, touché là, Mazikou. Bah, quand même, j'ai l'impression qu'il y a faute sur Mazikou. Mais bon, ce n'est pas si pire. On va se concentrer sur le jeu. Un ballon intéressant pour Stevanovic. Stevanovic, le centre, ce sera plus personne. Camberi qui dégage. Et finalement, Boisher qui arrive. Et comme les gars, comme dans FIFA, le gardien qui se couche. Ouais, qui se couche. Au sol, pas spécialement étonnant non plus, mais frustrant, ça c'est une certitude. Un long ballon de Brecher, finalement ce sera directement en touche. Bradley Mazikou qui va effectuer cette touche. Il cherche des solutions, il n'y a pas spécialement beaucoup de mouvement. Ce sera finalement pour Enzo Crivelli, mais bien couvert par Okita et un long ballon qui arrivera à... Ouais, de la tête comme ça, ouais. Il peut... Ouais, rageant. Alors, Brecher a pris le ballon dans les mains à la 83e et 0,7 secondes. Il devrait déjà dégager. Hein. 7 secondes là déjà. C'est quand même du quito double hein, en termes de temps pour dégager. Après le temps que le monsieur l'arbitre ne dira rien, il va continuer et c'est complètement normal. C'était pareil face au stade de Zanushi. Les gardiens de leur point de vue ont tout à fait raison d'exploiter la faille qui n'est pas sanctionnée par les arbitres. Ce qui est bien dommage parce que ça fait très longtemps que ça dure et ce n'est jamais sanctionné avec un ballon récupéré là par les Zurichois avec Mathieu. Finalement dégagé et ça arrive un peu chanceusement dans les pieds Stevanovic qui va décaler avec Bola. Il est frais l'hongrois, il vient de rentrer. Bendegus Bola, la passe malheureusement n'est pas pour grand monde mais le ballon est toujours servétien avec Tsunemoto dans la boîte. Le compte, ça arrive jusque dans les pieds de Bendegus Bola dans les 16 mètres. Bola le centre, c'est passé entre les jambes. Nishimura dans les 16 mètres, Nishimura, faut tirer. Et ça arrivera pour Bradley Mazikou, la touche. C'était un peu brouillon, il y avait peut-être l'opportunité de tirer pour Nishimura, ça n'a pas été chose faite et finalement le ballon, parce que le centre de Bola est passé entre les jambes d'un Zurichois et finalement un Zurichois l'a touché et ça arrivait dans les pieds
dans l'épine Ishimura qui a manqué un peu de tranchant, ou peut-être qu'il se sentait pas assez bien placé pour tenter sa chance. Tsunemoto, le centre, ce sera finalement directement pour un Zurichois qui va dégager en touche. Allez, Mazikou pour cette touche. Il faut jouer là, il faut jouer. Ça fait surcouter ça, coûter ça. Pris par son adversaire et qui obtient encore une touche. Un petit peu plus proche du poteau de corner. Il a grappillé quelques mètres. Et Mazikou pour cette remise en jeu. Qui prend son temps, il cherche des solutions. Avec Nishimura, Mazikou, Séverin. Mazikou à nouveau, le centre de Mazikou. Et avec du cafouillage dans la surface. Compliqué d'expliquer ce qui se passe là. Le ballon qui échappe un peu à tout le monde. Et finalement c'est Zurich qui va pouvoir procéder à une contre-attaque. Mais il y a quand même une bonne défense Servetienne mise en place. Du soutien et finalement c'est une passe complètement manquée. Ce sera un dégagement pour Joël Mal alors que le temps commence cruellement à manquer. Il reste moins de 5 minutes à jouer. Ouais, je pense pas que cette fois on ait 5 minutes de temps additionnel. Hein. Non. Ça va être compliqué, on se dirige vers une nouvelle défaite servetienne. Une de plus. Pour l'instant, aucune victoire et aucun point marqué depuis la reprise de la pause internationale côté servetien. Ouais, peut-être l'élimination en Europa qui a fait mal aux servetiens. Avec ses tirs au but face au club tchèque. Ça va être une touche pour Zurich qui prend encore une fois son temps, le numéro 23. Runner. Ça y est, une mise en jeu enfin faite. C'est vrai que l'arbitre ne dit pas grand chose hein, à ces gains de temps qui pourtant là paraissent assez flagrants. Hein. C'est la première fois qu'il fait une remontrance. Hein. 87e minute, mieux tard que jamais. Comme le dit le fameux adage. Allez, Crivelli, qui touche du bout du pied ce ballon. Et malheureusement, dégagement zurichois et une touche obtenue. Et l'arbitre qui autorise le changement pour Zurich avec la sortie du numéro 7, Krasniki, et l'entrée du numéro 20. Numéro 4, Wallner. Comment ? Wallner. Oui, le numéro 4, effectivement. Changement clairement défensif. Côté zurichois, on va essayer de verrouiller le score et on s'y attendait hein, au vu de la deuxième mi-temps proposée par les zurichois. Plus que 3 minutes de jeu dans le temps réglementaire. Zurich qui pour l'instant a réussi son match et Servette qui concéderait une troisième défaite consécutive. Servette qui n'aurait plus qu'un point d'avance sur Lugano si les choses en restent de la sorte. Un point d'avance sur Lugano, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est le nombre de points entre le premier, Berne. Pour l'instant, Berne qui a 4 points d'écart, mais pour l'instant, il faudrait pas les laisser en prendre plus. À l'heure actuelle, c'est plus derrière qu'il faut regarder que devant, malheureusement. Mais c'est une chose qu'on n'aurait pas forcément pensé dire. En tout cas, à l'aube de la reprise... Après la pause internationale. Ouais, c'est clair qu'il y avait un matelas assez confortable et finalement il s'est vite refermé. Hein. C'est plus devenu un morceau de bois ce matelas. En effet, il est peu confortable. Qui a fondu comme neige au soleil. Pas mal celle-là aussi. On essaie de se raccrocher à ce qu'on peut en cette bien triste 31e journée de Super League pour l'instant. Un ballon dans les pieds de Joël Mal qui va jouer long. La destination de Nishimura sera dans la tête du nouvel entrant, Wallner. Et on est dans les pieds de Joël Mal, très loin des cages de Brescher. Et loin pour l'instant d'une réduction du score. Même si on le rappelle, les Servettiens ont touché deux fois les montants dans cette seconde période, deux fois la barre transversale et deux fois par le biais de Nishimura. Allez, avec un long ballon pour Crivelli, mais Brescher qui s'empare de ce ballon. Les gants du gardien qui vont tenir ce ballon pendant de longues secondes. À 20 secondes, il l'a pris dans les mains.
14 secondes pour dégager. Là, on n'est plus de deux fois au-delà du temps réglementaire autorisé. Évidemment, toujours pas de remontrance du côté de l'arbitre. Donc un ballon pour Afrié qui est au duel, qui va gagner du temps du côté poteau de corner servetien et n'obtient pas le corner. Alors là je suis assez choqué parce que selon moi il y avait quand même corner. Tant mieux pour les servetiens et nous allons arriver dans le temps additionnel. 5 minutes de temps additionnel. Le temps commence à manquer côté servetien. Hey, 5 minutes quand même de temps additionnel au final, comme en première période. Allez, avec Stefanovic dans la surface, la frappe de Stefanovic. Non, c'est un centre, j'ai pas compris ce centre. Allez, la frappe. Allez, un Zurico. Il faut qu'un Servetien aille au pressing là. Oh là là, un Zurico au sol. Un Zurico au sol, juste devant sa surface. Et ouais, j'ai vraiment pas compris ce centre de Stefanovic. Beaucoup trop en retrait, beaucoup trop haut. Ils ne se sont peut-être pas compris les joueurs avec. Avec ouais, ok. Bon, je vais montrer comme ça, ok. Oh là là. Oh là là. Le jeu proposé par les Zurichois quand même ce soir est bien triste. Hein. Il y avait une balle d'arbitre là qui a été remise dans les 16 mètres de Brecher et Brecher qui prend la balle et qui recule le plus loin possible pour gagner encore plus de temps et pour ensuite prendre le ballon dans les bras. Voilà, ça représente bien les intentions que les Zurichois ont montrées durant cette seconde période et les Servetiens qui ne sont pas parvenus à briser pour l'instant le verrou alors qu'on est déjà à 1 minute 30 dans ce temps additionnel. Le temps commence réellement à manquer. Ouais, je pense que le temps il a commencé à manquer depuis un petit bout de temps là. Ça va être compliqué hein, vraiment d'aller chercher cette égalisation. Surtout au vu de ce qu'on voit, hein, les Servetiens qui sont pas si dangereux que ça au final. Il va falloir vraiment une bonne action, une bonne fois pour toutes et marquer ce but. Au moins aller chercher le point du nul. Il y a encore de l'espoir. Là, on joue pas dans la bonne direction. Ballon de Tsunemoto qui est remis pour Joël Mal. Et Mal qui allonge pour rouiller. Ça arrive jusque dans les pieds de Bola. Non, finalement pas. Ce sera une touche servetienne quand même. Ballon touché par Guerrero. Bola qui joue vite avec Stevanovic. Stevanovic pour Tsunemoto qui va sûrement mettre dans la boîte. C'est chose faite. Deuxième poteau, mais c'est malheureusement pour personne. Ce sera un dégagement au 6 mètres. Ah non, maintenant il y aura deux ballons sur le terrain. Heureusement que Nishimura est là pour mettre le ballon. Voilà, c'est très long, Brecher. C'est quand même fou au niveau de l'arbitrage que jamais, très rarement, les gardiens se fassent avertir. Alors qu'ils gagnent un nombre de secondes, si ce n'est minutes sur un match à eux tout seuls, qui est exorbitant. Mais il est même. Le gardien qui. Là, il est toujours pas en position de frappe. Hein. Il attend encore, il s'avance pour demander à sa défense d'avancer. Ah, enfin, un jaune, bah, il serait temps. Il a pris 30 secondes pour dégager. Le problème, c'est que. Ah, carton jaune. Du temps. Carton oui. Jaune, enfin. C'est trop tard. Enfin. C'est beaucoup trop tard. Et le dégagement qui est à refaire. Bah oui, du coup. Bon, bah, au vu de ce qu'on voit, c'est le carton rouge maintenant, après le carton jaune. Parce que là, bon, il recommence à refaire la même chose. Ah, ça va faire une minute hein, quand même que le ballon est sorti du jeu. On a gagné littéralement une minute sur le temps additionnel. Hein. On a plus d'une minute hein, depuis que le ballon est sorti. Franchement, un carton jaune pour une minute, ça me paraît être quand même une opération comptable qui peut être intéressante hein, côté Zurichois. Oui, après, après combien de minutes en tout oui. Parce que depuis le début de cette seconde période, ça fait quand même beaucoup de secondes. Hein, grappillé, je pense qu'on a plus de 60. Alors allez. Ça, facilement. Dégagement de Joël Mal, tête zurichoise. Et long ballon devant. Avec un ballon qui sort en touche, est-ce que c'est pour Servette oui. Ah bon, oh là là, où ça va friter avec le banc et Bradley Mazikou. Attention, pas prendre de carton vêtement là. Mais très mauvais geste. Mazikou a bien réagi. Très mauvais geste. Carton, c'est totalement légitime.
Ouais, pour expliquer aux personnes qui ne peuvent pas voir le match, il y a Léa Bortouche et le Zurichois qui est passé devant et qui a empêché la transmission du ballon en passant juste devant et le repoussant. Et mais qu'est-ce qu'on attend là? Ah, on veut refaire la touche. Autant pour nous, monsieur l'arbitre. Alors, vraiment, en termes de schéma de jeu, c'est très... Un carton jaune servétien, selon l'affichage, j'en doute. Ah, peut-être Bradley Mazikou, vu qu'il a intervenu après sur un coup de tête, enfin sur un coup de chaud. C'est possible, mais selon moi, Mazikou a bien réagi. Bah, c'est sûr que... oui. Voilà. Ouais, c'est compliqué de commenter cette fin de rencontre. Hein, et surtout en tant que servétien, c'est sûr que pour les Zurichois, ça doit être beaucoup plus sympa de voir ça. Mais là, pour commenter un match comme ça, c'est assez compliqué. Dans la surface, ce ballon, mais est-ce que ça va donner quelque chose? Peut-être un corner? Non, 6 mètres. Donc, une minute de rapide. Ouais, une minute de plus et là ça qu'est-ce qu'on peut faire pendant moi je pense que j'ai le temps de boire. Oui t'as le temps, fais seulement. Je pense pas que Brecher va dégager incessamment sous peu au point que tu n'aies pas le temps de finir ta gorge. Je suis au café. Clairement. Non mais là c'est assez scandaleux parce que deux gorgées. J'ai eu le temps de boire deux gorgées tranquille, de reposer mon verre sans me précipiter. On est au café. Et ce match c'est fou, parce que là ça a été 5 minutes 58 de temps additionnel, il y a une minute qui a été gagné par Brecher pendant son carton jaune et là il a en tout cas gagné une vingtaine de secondes. Bref, on n'a jamais été au bout du temps additionnel qui a été mentionné. Ouais, Servette qui enchaîne avec cette troisième défaite consécutive, une défaite assez rageante encore une fois. J'ai pas forcément de mots pour vous dire au revoir. C'est déception, on va essayer. Déception, frustration, les émotions négatives se multiplient, on va rendre l'antenne sur ces tristes et moroses paroles. On espère quand même que cette animation sur ce match vous a quand même plu. Le résultat n'est pas là, les Servettiens s'enfoncent dans une potentielle mini-crise avec 3 défaites consécutives et surtout un seul but marqué sur 3 matchs. Le résultat au niveau comptable n'est pas là et dans l'envie et dans le jeu, ce n'est pas là également. Nous allons vous rendre l'antenne et vous souhaiter tout de même une bonne suite de soirée. Effectivement, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine face à Bâle et j'en profite, vu qu'on n'a pas énormément de choses à dire sur ce match, de venir également nous suivre sur notre équipe féminine qui elle nous propose un jeu avec quand même plus d'engouement. Pour le moment, avec notamment une rencontre face à Zurich au stade de Genève ce dimanche ou ce samedi, je me rappelle plus. C'est dimanche que Servette joue Bâle, alors c'est samedi que le Servette chinois va jouer face à Zurich. Cette même équipe pour la section féminine. On vous invite à venir nous suivre ou nous rendre au stade de Genève avec une entrée gratuite. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée avec Timothée et Max à la technique. Et à la semaine prochaine au peuple grenat. À la semaine prochaine, bonne soirée.